Francisca, Francisca, merci pour les cœurs. Abiton baname mununda, meri ya benye, meri tensen le de barlana. Meri tensen le me kenyengwe, nole menis beri anache. Alors que je l'aimais, mais elle me trompait. Abe apam ni bolom, ni bola. Coucou Kimo Merline. Bonsoir Karine Nikes. Bonsoir Berlin Berlin. Ave apam ni bolom, apamar ni bora, et puis à Sorbarnganda, et à Temblarnganda. Yongo yé ni bora balen, batembe nganda. Tendance d'amour. Betembe bo obos meta. Betembe. Amanwem wenu nange. Yongo yihe ni rezo sosyo. Betembe binay mumbegre. Binay mumbegre. Bora banay. Ni betembel sur meta. Voilà, voilà. Dike, réencercle Meta ne bitembe, bitembe bitambambo. Une question sans réponse. Mais bon là, mec. Bonsoir Madeleine Gisèle. Bonsoir Nika de Georges. La méga, la giga, la web, la bio. La giga, la méga, la web, bio. Est-ce que vous connaissez ça? Merci Madeleine Gisèle. Partagez. On va pas être long ce soir. Camerco, bonsoir. Partagez. Bye.
Bonsoir, Nadège. La sœur de l'autre. Tu es très belle, ma petite sœur, Nadège Papa. La belle Véro. Yen la mwana, kengon bikok. La beauté de bikok, l'incarnation. Élise Ngobasom, bonsoir. Bikor Bakana, Kimo Merlina, c'est de ça qu'il s'agit. Ce soir, on va mettre les ingrats à leur place. L'accès du mal sera détruit tout à l'heure. Je vais utiliser les mots très forts, partagés. La destruction de l'accès du mal, elle a bien commencé. Nicole George, tu es Véro, hein? Alors c'est pour toi ça. Bonsoir Tina Carter. La belle Véro. Est-ce que Lolo est déjà dans ce direct? Est-ce que Rêve Biaï est là? Nadège Papa est déjà là. Appelez-moi Lolo, je vais lui donner ces mots. C'est la seule blogueuse que j'ai jamais répondu en public. Et aujourd'hui, je vais lui dire ce que je pense. Ma mère disait toujours, à quelque chose, malheur est bon. Même si elle est la veillée à Lille, vous devez la biper. Si elle n'a pas le téléphone, appelez la veuve. Parce que c'est... Ma veuve m'a dit qu'elle allait à Lille ce soir. Bon, je pense qu'elle est là-bas. Ah, Rêve Biaï est là. Bonsoir, Rêve. Je ne vois pas mes mecs que toi. Quoi, toi? Tout le monde parle que de ta beauté. Un colo qui soit prêt à manger. Ouais. Tout le monde parle. Un colo qui soit prêt à manger. Ah, les Minchara ambassade, c'est quelque chose. Appelez-moi là, s'il vous plaît. Appelez-moi Lolo. Appelez-moi Lolo. Je vais te donner tes mots ce soir. Oh, le direct est sécurisé. La patronne est là. Le direct est sécurisé. La patronne est là. Bonsoir. Beautiful Candy. Atina Kate, so one Nengada. C'est l'anniversaire de notre patronne, Mati Bikor, les filles de Pouma, de Corbacana.
La patronne, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la patronne. Un an de plus, ça se fête. J'espère que c'est la fête depuis Opougong. J'espère que c'est la fête depuis Abidjan. Partagez, s'il vous plaît. J'ai deux mots à dire aux ingrats. Je suis victime de l'ingratitude. Nous allons mettre les ingrats hors d'état de nuire. C'est mon combat. C'est mon combat. Hors d'état de nuire, les ingrats, c'est mon combat. Alors, partagez. Partagez. Je vais détruire ce soir l'axe du mal. Ok, la patronne. Vous voyez, après avoir dégusté un délicieux plat de la star Messang, nul n'est censé ignorer la dextérité de son doigté culinaire. Alors vous imaginez que le samedi, Monsieur Messang sort de son lit à 18h, après avoir pris un repas copieux. Comme je vous l'ai dit, moi je mange une fois la journée. Là, je déguste ceci. Oh, Karine Niquez, Tontenja. Est-ce que je dois encore parler de la Star Beauty? Est-ce que je dois encore parler des produits de la Star Beauty? Cela va sans dire. Ça ne souffre d'aucun questionnement. C'est-à-dire, on le vit, et puis voilà. C'est là. On a parlé. Vous n'avez pas voulu comprendre. On a parlé. Vous avez dit que, wow. On a parlé. Les sorciers sont arrivés. Wow. Maintenant, c'est parti. Moto Dongo. Moto Idigo, c'est fini. On va encore faire comment? Maintenant, quand vous appelez, le stock est pas. À peine arrivé, le stock. Les Américaines se sont énervées, les mamounes américaines. Jamjon yé, hein. Beba yé mbégré. Le dehors est gâté. Stop Beauty, c'est comme le petit pain. L'onction est là. On va faire comment? Bonsoir, Rebecca Joseph. Quand tu m'appelles, ou alors quand l'on m'appelle par ce nom de bénédiction, qu'on n'achète pas, que le bon Dieu te donne, Tani. Quand l'on m'appelle par ce nom, je suis fier. Je sens l'onction encore descendre sur moi. Et tout ça, n'eût été la présence de mon étoile de Noudi. Celle-là que je donne deux coups le samedi, deux coups le dimanche, un matin, un soir, rien ne peut changer ce programme du week-end, quels que soient les aléas de la journée. Parce que ça fait partie, ça c'est ma nourriture spirituelle. Quand je n'ai pas encore consommé cette nourriture dans le week-end, ben, il y a des forces qui me manquent. Mais quand je consomme cette nourriture, je suis virulent comme je vais l'être tout à l'heure. Tant pis pour les ingrats. Tant pis pour les ingrats. Ce soir, Rebecca Joseph, le jujube n'empêche pas de fouetter justement. Les ingrats, on les fouette avec l'arbre de paix. C'est de ça qu'il s'agit.
On les fouette avec l'arbre de paix. Alors, on les fouette. Et je vais utiliser l'arbre de paix que les rois de l'Ouest m'ont donné. Merci Bertie Licali. Monsieur propre aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous avais dit, non? Quand je commence un combat, suivez-moi, je suis la locomotive. J'ai démasqué l'ingratitude. Et ceux qui ont compris mon cri sont sortis sans qu'on ne les appelle. Vous avez vu le combat. Aujourd'hui, l'ingratitude tombe sur quelqu'un d'autre qui n'est autre que Lolo. On va les combattre. On va les combattre de la plus belle des manières. Et avec les armes de conventionnelles. On ne va pas tricher comme eux. On ne va pas mentir. On ne va pas raconter des conneries. On va le leur faire à l'endroit et au bon moment. Quel bisou, mérite. Domle me bon amour avec Tembe. Avec ton man à même mon oulomien. Nimisoi. C'est pour ça, je veux barlana. Moura me sourit. Comment disent les Bangantés là quand tu es Missouri? Le cante. Alors que je l'aimais bien. Cette petite cante, ça attache partout. Ça attache partout, ça cogne les têtes partout. Et après, les vraies personnes te disent que ne nous mélange pas dans la merde. Cante, Kembe. Tembe vitol mumbere, vitol mumbere. Tendance vitembel, y prendre Facebook rien so. Cante. Alors y'a wenouna yé, y'a yé ni boulumbalen. Le bobo vitol mumbere. Avec Boulom, avec Tembe, le Kante. Claude Akam est ici là. Claude Akam. Je vais te parler en bassa. Pourquoi en bassa? Répondez-moi si je parle à Claude Akam en bassa. Répondez. À Claude Akam, pourquoi en bassa? Est-ce que tu veux que je te parle en bassa? Ah, merci Lovely Azael, mes sangs. Est-ce que les justiciers ont fini avec le partage? Est-ce que je peux commencer? Kemarco, je lui parle à Bassa. À Claude Akam. Mais pour où en Europe Bayon? Est-ce que Guilhem pour où est Rob Bayon?
Il a d'autres cogos à faire ailleurs. Claude Acam. Comme on dit à Bassa, mais bon là, ouais. On appelle ça Mathilde Magnon. Ça, c'est le sang de la bouche. Tu vas faire comment avec ça? Tu ne peux jamais tout rejeter. Tu es toujours obligé d'avaler quelques gouttes. Non, à Claude Acam, mais bon là, ouais. Ok. Je voulais me rassurer. Voilà. Bonsoir la famille. Merci d'avoir répondu à cet appel qui n'était pas programmé. Mais j'ai dormi. Ce week-end, j'avais pensé m'occuper intégralement de Madame Essang. Ça veut dire qu'être à sa disposition 24 heures sur 25. Mais comme je suis quelqu'un qui ne peut pas laisser voir passer des choses négatives autour de notre environnement qu'on a essayé de se créer, qui s'appelle Facebook, eh bien, je suis tombé comme ça sur des vidéos qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé, dans les environs de 18 heures. Et puis je me suis dit, j'ai pas besoin de programmer, je vais parler. De toute façon, j'ai une parole qui porte. J'ai des vraies personnes qui me suivent. Elles peuvent être occupées à l'heure où j'ai décidé de parler parce que je n'ai pas fait rendez-vous. Mais quand elles constateront qu'il y a eu un direct sur ma page, eh bien, ces personnes vont naturellement écouter ce que je dis. Parce que très souvent, ce que je dis est non seulement percutant, et c'est même pertinent. Et ça relève de beaucoup de vérité. Pourquoi j'ai appelé Lolo ici ce soir? Parce que Lolo, elle fait partie de ces personnes que j'affectionne particulièrement sur la toile. Mais quelquefois, je subis comme ça ces déceptions amoureuses parce que c'est une femme, une jeune fille, une fille qui est très amoureuse. Et elle a beaucoup de peine à gérer ses humeurs d'amour. Elle est tellement, comment dire, je dirais pas protectrice, mais elle est tellement, je vais dire envahissante dans le sens propre du terme. Ça veut dire le terme qu'elle voudrait avoir à elle seule. Et elle supporte trop, elle supporte pas beaucoup ce qu'on appelle la concurrence dans l'art de l'amour. Donc ça fait que quand elle me voit, moi, la personne qu'elle estime bien, elle aime bien, qu'elle aime bien, elle a de la peine à me voir avec d'autres personnes. Et sa façon très souvent de parler de ça, de montrer son ras-le-bol, eh bien, c'est, je vais utiliser les termes de Facebook, hein, c'est de tomber quelquefois sur moi et puis raconter des conneries, quoi. Mais bon, comme je sais qu'elle est amoureuse, tu sais, quand une femme est amoureuse et que elle fait des erreurs par amour, tu dois pardonner. Et puis, comme je la regarde avec les yeux d'une petite sœur, je dis, ouais, la fille, si elle a encore zaï. Mais bon, là, ouais, à Lolo, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je ne peux pas t'avoir à côté de moi 24 heures sur 24 pour te dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais bon, comme tu es une grande femme et que j'estime beaucoup, j'ai toujours cette force-là de passer au-dessus de tout ça et de me dire que c'est une petite sœur qui a zaï. Tu vois? Parce que dans la vie aussi, il faut zaï. Quelquefois zaï. Vous savez, les gens qu'on porte le plus souvent critiques, c'est des gens qui ont fait des choses. Quand tu ne fais rien, on ne parle pas de toi. Quand tu vois des gens se lever, parler de toi, essayer de parler de ce que tu as fait, en essayant de salir, parce que ce que tu as fait est tellement propre, mais que ces personnes tordues, foncièrement méchantes, quelquefois même une certaine dépravation morale, tu vois, elles essayent de tordre, je vais dire ta vérité, elles essayent de tordre ta personnalité,
Elle voudrait qu'on leur ressemble. Mais ce n'est pas possible. Combien de fois je vais le rappeler sur la toile? Combien de fois je vais le rappeler? Et j'aimerais que ça rentre dans vos ciboules. Excusez-moi le terme. Hein. Ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est juste pour dire que ça rentre bien dans le crâne. Sachez à chaque fois sur la toile, nous qui portons, nous qui avons la voix, nous qui sommes quelquefois les yeux et les oreilles de certaines personnes, on aura toujours ces petites personnes aux petits cerveaux qui sont en train, qui seront toujours en train de nous titiller, qui seront toujours en train de nous envoyer des pics. Parce que si ces personnes ne parlent pas de nous, elles n'existent pas. Ces personnes ne peuvent pas avoir un blog, parler d'autre chose, personne ne s'intéressera. Mais quand ces personnes prennent l'initiative de mettre sur leur page, ce soir, je m'adresse à Jean-Louis Messang, même ceux-là qui sont morts, les cadavres vont se réveiller. Mais ce que je n'ai jamais compris sur la toile, c'est que on continue à faire indéfiniment confiance à des menteurs. On continue à faire confiance indéfiniment à des manipulateurs. On a le casier judiciaire des personnes devant nous. On a tout ce que ces personnes ont fait devant nous. On connaît ces personnes. Nous connaissons la mentalité. Nous avons analysé. Nous savons pertinemment que nous avons affaire à des personnes fausses, tordues et foncièrement méchantes. Mais il y a toujours des brebis galeuses qui penchent l'oreille pour écouter quoi? Qu'est-ce que vous écoutez de ces personnes qui n'ont rien, jamais rien fait dans les réseaux? À part s'engueuler, à part organiser des gangs pour faire du mal. Parce que j'aime pas utiliser vos termes que vous utilisez très souvent, détruire. Une petite personne ne peut pas détruire une grande personne. Quelqu'un que tu as donné à manger ne peut pas te détruire. Elle est petite du 1er au 31. Elle ne sera jamais grande vis-à-vis de toi. Même si elle pousse de 2 mètres, elle est petite. Et elle ne peut pas te faire du mal. Et elle ne peut pas te descendre non plus. Elle ne peut pas te détruire non plus. Mais j'ai l'impression que sur la toile, l'oisiveté fait que les gens écoutent n'importe quoi. Les gens prêtent l'oreille à n'importe qui. Je voudrais que, à partir de ce soir, c'est une demande solennelle. Les ingrats doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Je dis, les ingrats doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Et j'aimerais que ceux qui ont de la voix sur Meta, quand il y a un cas d'ingratitude, il faut le dénoncer, il faut parler. Il faut arrêter avec cette histoire que vous appelez, encore ce français que je n'aime pas, le aide-moi à détester parce que ça n'existe nulle part. J'ai de la peine à utiliser ce genre de mots, j'aime pas. Mais il faudrait que les personnes qui ont de la voix sur la toile arrêtent ça. Quand on est l'objet d'une ingratitude, c'est comme la publication, ceux-là qui publient les femmes et les hommes. Quand il s'agit de ça, on doit prendre parole. C'est aussi ça qui fait le respect de l'homme. C'est ça qui fait le respect de la femme. Bonsoir Suzanne Dongo, merci pour tes cœurs. C'est pas l'hypocrisie mal placée. On sait sur la toile qui est qui. Et quand quelqu'un zaille dans l'ingratitude, il faudrait qu'on te le dise. Il faudrait qu'on te dise que tu es ingrat, tu ne représentes rien. L'ingratitude est une pathologie mentale. L'ingratitude est une pathologie mentale. Ça nécessite d'un traitement psychiatrique. Parce qu'il faut, c'est-à-dire même un aveugle sait que quelqu'un l'a tenu à la main. Même un aveugle, quelqu'un qui n'a pas les yeux,
quand tu le tiens à la main, il sait. Combien de fois quelqu'un qui a les yeux, il voit ce que tu fais pour lui ou pour elle, je parle d'une personne, mais qu'à un moment donné, cette petite personne au petit cerveau se met en mondiovision et essaye d'expliquer au monde entier que tu n'as jamais rien fait pour elle et même quand tu as fait, que ce que tu as fait ne représente rien. Bonsoir, Wallen Chapeau. Il faudrait que ces personnes, qu'on le leur dise, qu'elles sachent que ce comportement relève de la... C'est-à-dire c'est une pathologie psychiatrique. Ces personnes doivent savoir qu'elles sont malades. Parce que la moindre des choses dans la vie, c'est de reconnaître ce que ton prochain a fait. Même si tu n'es plus en accord. Même si tu n'apprécies pas. J'ai toujours dit, le lièvre, tout le monde n'aime pas le lièvre. Mais on doit reconnaître que le lièvre court très très vite. C'est-à-dire pour le reconnaître, tu n'as pas besoin de l'aimer. Quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand tu as envie de parler de la personne, parle, rappelle-toi de cela. Et c'est pour cela, je n'ai jamais. Et à chaque fois, je le dis, je prends tout le monde à témoin. C'est pour ça, cette jeune fille, ou alors cette femme qu'on appelle Lolo, je ne l'ai jamais répondu. Malgré ses glissements. Parce que cette femme-là, elle s'est levée un jour sans que je ne l'appelle. Sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Elle a donné sa poitrine, comme on dit chez nous. Pour moi. Et jamais, je ne prendrai la caméra ou le téléphone pour dire quoi que ce soit à cette femme en public. Si j'ai des choses à lui dire, je vais l'appeler parce que j'ai ses coordonnées. Et si je ne les ai pas, je vais les trouver parce que c'est une femme publique. Moi, j'ai le bien fondé de la reconnaissance. C'est ancré en moi. Toutes les personnes dans ma vie qui m'ont posé un geste positif dans le sens de l'aide, que ce soit moral, je n'ai jamais trahi ces personnes. Si je mens, qu'une seule personne vienne parler, jamais. Ça c'est l'éducation que j'ai reçue à l'école de mes parents. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui m'ont apporté attention dans ma vie, je suis ami à ces personnes. Non, on peut se séparer. Mais chacun reste et respecte son couloir. Mais ces petites personnes qui viennent à Mondiovision te rappeler que tu n'as jamais rien fait pour moi. Et pourtant, ces personnes n'ont jamais rien fait pour personne. Elles sont des petites personnes. Dans la vie virtuelle, elles n'ont rien prouvé. Dans la vie réelle, elles ne prouvent rien. C'est elles qui jacassent, qui parlent fort, qui disent tellement de choses. Et il y a des abrutis, vous allez me permettre. Hein, parce que moi, à un moment donné, quand je dois appeler ces personnes, c'est pas des insultes, mais c'est les noms qui vont, c'est-à-dire qui rejoignent leur personnalité. Parce qu'une personne qui prend l'initiative de venir à Mondiovision, dire que tu n'as jamais rien fait pour moi, et pourtant quelques années avant, ou quelques mois avant, cette même personne a dit, ce que tu as fait de moi, personne ne m'avait jamais fait ça de ma vie. À un moment donné, vous voulez mettre ces gens où c'est des animaux. Djongu Gwambi, ils ne représentent rien. La loyauté, elle est mise où? Où est-ce qu'on a mis la loyauté dans notre vie? Les gens nous parlent de la monétisation. Qu'est-ce que c'est que la monétisation dans la relation humaine? Qu'est-ce que c'est que la monétisation, gagner de l'argent? Il est interdit de gagner de l'argent en détruisant les gens, ou alors en voulant les détruire. Bonsoir Marlise Loé, une amitié de plus de 25 ans. Voilà les vrais amis, c'est dans la durée. C'est quoi, c'est-à-dire,
Qu'est-ce que c'est que on peut gagner de l'argent en faisant du mal? C'est des personnes qu'il faut mettre de côté. C'est des personnes qui ne représentent rien dans la vie. La reconnaissance, elle est gratuite. Elle est même spirituelle, je dirais. Parce que quand quelqu'un prend son temps un jour de t'apporter de l'aide, dis d'abord merci. Bonsoir, Marlise Loé. Quand tu m'appelles le plus beau, j'adore ça. Ça me rappelle nos années. Hein? Voilà. Mais tu vois ces personnes qui n'ont plus honte, comme celui-là que nous connaissons tous, qui déambule là comme un mauvais esprit à travers la toile. Il est en train de se décomposer devant tout le monde. Tout le monde a pitié de lui, sauf lui-même. Tout le monde a pitié de ce qu'il est, sauf lui-même. C'est-à-dire, même un animal qu'on élève dans la maison, c'est ce que c'est que avoir des fois honte quand son maître est fâché. Mais il est, c'est-à-dire, la crasserie de la crasserie, il se décompose devant les gens, il ne se rend pas compte, et c'est lui qui montre son mauvais visage devant les gens, et il voudrait qu'on le voie dans la bêtise. Et pourtant, on a pitié de lui. C'est-à-dire, il ne reflète que de la pitié. Quand tu le regardes, tu as pitié. Mais la personne même le concernée n'a pas pitié de sa piteuse, c'est-à-dire tête. Alors les gens comme ça, vous allez leur parler en quelle langue pour qu'ils vous comprennent? Quand quelqu'un a jeté dans, je sais pas quoi, ce qu'on appelle l'honneur. Quand quelqu'un ne peut même plus respecter sa personne, parce que moi, quand je viens devant vous, vous voyez, j'ai adopté un look. Bonsoir, Mémé Kouachoua. Je ne peux jamais venir devant vous autrement. C'est par respect. C'est parce que quand tu as rencontré des personnes et que tu as opté une façon de vie avec ces personnes, c'est cette façon de vie que tu dois respecter. Donc quand je viens devant vous, je dois me mettre comme vous m'avez toujours connu. Et le jour que je ne peux pas être comme ça, je ne viens pas vers vous. Ça c'est le béaba de la vie. Vous voyez quelqu'un qui c'est-à-dire qui pavoine partout comme un démon. Tu le vois, une démarche nonchalante, il ne représente rien. Mais c'est lui qui te dit qu'il est tout. Quand tu le vois, tu as pitié de la personne que tu as en face de toi. Tu vois une personne se dégrader, une personne qui prend une forme piteuse, qui fait mal au cœur quand tu regardes. Tu as même de la peine à regarder. Mais c'est ce goujat qui vient devant les gens et qui vous donne les leçons. Et pourtant, il ne représente rien. Dans le virtuel, il est nul. Dans la vie normale, nul. Il ne représente rien. Et c'est lui, à un moment donné où on veut même essayer de le laver. Celui-là qui le lave ou celle qui le lave, il vient t'expliquer que quand je suis venu me laver vers toi, en fait, c'est moi qui te lavais. Regardez la mentalité de la cancritude absolue. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'école, c'est très important. Quand tu as été à l'école, tu as des limites dans la vie. Quand tu as fait l'école, je ne parle pas Bac plus 50. Je ne parle pas Bac plus 80. Je parle de l'école où on t'apprend, quand tu arrives le matin, tu dis bonjour. Quand tu pars, tu dis au revoir. Quand on te sert quelque chose, tu dis merci. Quand tu as cette notion de la vie, tu as des limites. Tu as des limites. Déjà, ce personnage qui ressemble déjà à un dessin animé bizarre qui fait peur à tout le monde, sauf à lui-même, n'a déjà pas ce qu'on appelle le langage. Elle ne sait pas parler, ni français, ni sa langue maternelle. Elle ne sait rien parler. C'est-à-dire, ni sa langue maternelle, ni le français.
Elle vient avec les geladis, elle vient avec les baluis et les baleux, et tout ça est confondu, et ça parle fort. Et ça parle fort, et ça n'a pas honte. Quelque chose de ridicule qui ne représente rien. Quand tu fais un bilan sur la toile, c'est-à-dire, quelqu'un qui a été à l'école sait ce que c'est que le bilan. Quand tu rentres quelque part, tu passes un an, deux ans, tu t'arrêtes un moment et tu fais le bilan. Tu dis, j'ai déjà fait apporter quoi de positif? Cette personne-là, cette misérable personne, SDF ambulant, la seule personne à plus de 50 ans qui ne représente rien dans sa propre vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses amis. Nul à chier. La honte de toute une tribu. Que certaines personnes ont honte aujourd'hui de se représenter même à cette personne, de dire même que je suis un ami, je suis un... Il n'y en a plus. Parce que c'est la honte. Bonsoir, la Big Pavlik, Patricia. Quand nous autres, on ne parle pas, parce qu'on a de la pitié. Parce que quand on regarde en face, on a qui? J'ai vu des gens me dire, réponds à cet imbécile, il représente quoi? Je vais lui dire quoi? On va parler de quoi? Je vais lui expliquer que je vis dans 120 mètres carrés, il vit dans la brousse, il dort dans la voiture. Je vais lui expliquer que je suis un propriétaire, il est un piètre menteur. Je vais lui expliquer que la maison où il vit, on fait le waka dans cette maison, que cette maison ne représente rien, qu'il n'a aucune, c'est-à-dire il n'a aucune personnalité. Bonsoir Hervé Connelly. C'est-à-dire même un chien a plus de valeur que cette personne nauséabonde. Parce que je ne l'approche pas, mais quand je vois les images, ça pue à distance. Mais elle n'a même pas pitié d'elle-même. Elle n'a pas pitié d'elle-même, cette personne. Et c'est ça que les gens demandent à répondre. On va lui dire quoi? On va lui dire qu'il a fait quoi? On va dire qu'il représente quoi? Je vais donc vous dire ce qu'il représente. Prenez les cahiers. Prenez cahiers marqués dictés. Pour que personne sur la toile. Ce soir, c'est un ordre que je donne. Du haut du pouvoir que les ancêtres m'ont donné, je donne un ordre. Une ingratitude comme celle-là. Un papier de toilette. Cette personne qui ne représente rien dans la vie virtuelle et dans la vie réelle. Ignorance absolue. Ignorance absolue. Elle ne mérite la réponse de personne, cette piètre personne, elle ne représente rien. Elle fait que du boucan et qui ne lui apporte rien, qui ne lui sert pas. Prenez le cahier, prenez les bics, on va faire le bilan. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, je parle parce que ça concerne une petite sœur que j'aime bien. Et moi, c'est comme ça que je suis. Et vous me connaissez comme ça. Quand on s'attaque au mien et que je trouve que c'est nécessaire de dire quelque chose, je le dis avec la plus haute et la plus forte des autorités. Parce que le reste des détails, on ne les gère pas. En tout cas, pas moi. Parce qu'en face de moi, j'ai des petites personnes. J'ai des gens qui disent, qui parlent, mais qui ne représentent rien. Nous, on pose les actes, on voit. Et ces médiocres, ces cancres de la cancritude ne reconnaissent pas ce qu'on fait. On s'en fout, on ne fait pas pour elles, parce qu'elles ne représentent rien. Comme celui-là, il sait que parler, il sait que voler, il sait que mentir, il ne sait que manipuler. Et j'aurais même appris des prisons. Triste personnage, piètre cet individu. La malchance de toute une famille. La honte de toute une tribu. Et ça parle devant les gens. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi devant les gens? C'est quoi l'enseignement? Sur la toile. On est sur la toile. Ton enseignement, triste, piètre, personnage. Quand on parle de toi, on t'assimile au vol. Quand on parle de toi, on t'assimile à l'arnaque.
Quand on parle de toi, on t'assimile à la manipulation. Quand on parle de toi, on t'assimile au waka. Une personne qui a transformé la maison de quelqu'un d'autre à une maison de waka peut dire quoi à quelqu'un qui gagne 98 000 francs l'année? Vous allez parler de quoi? Vous allez discuter de quoi? La base de vos quiproquos, on va la mettre sur quoi? Et après, vous allez tirer quoi comme conclusion? C'est un piètre personnage qu'il faut ignorer. Il faut ignorer. Et quand on veut parler d'elle, on lui dit juste ce qu'elle représente. Mais on ne rentre pas dans un ping-pong avec. Parce que ça ne représente rien. Je vous ai dit la dernière fois, moi je suis rentré sur cette toile. J'ai un bilan. Et quand je suis rentré de l'Afrique, au mois de novembre, après avoir fait mon bilan, et après avoir rencontré ces personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, il ne faut plus répondre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci ma conseillère, je vais baisser le ton. Parce qu'en fait, quand je parle à ce genre d'individu, j'ai envie d'appuyer tellement sur le truc pour que ça rentre dans sa ciboule. Parce que je sais que, intellectuellement parlant, vous allez discuter de quoi? Il va te dire quoi? Tu vas comprendre quoi? Quelle réflexion cette personne a déjà faite sur cette toile? Vous avez vu un raisonnement de A à Z. Quelqu'un qui prend toujours des raccourcis, qui est dans une manipulation, qui ressemble à sa personne. Regardez quand elle se déplace. Elle se déplace bonnement comme ça. Là. Comme quelqu'un qui va tomber d'un moment à l'autre. Comme ça. Ça marche. Aucun charisme. Il n'y a rien qui reflète l'homme. Il n'y a rien qui reflète un homme. Bonnement comme ça. Comme quelqu'un de fatigué. Comme quelqu'un qui est, voilà, les bras sont comme ça. Comme ça. Et ça marche. Et c'est ça qui s'assoit avec sa mauvaise tête pour faire des réflexions aux gens qui payent les impôts, aux gens qui aident les familles, aux gens qui nourrissent même les amis. Piètre personnage. C'est quoi ton bilan sur Meta? Pour que quelqu'un comme moi me lève, je te réponds à tes inepties. Ton bilan, c'est quoi? Notez. Je vais vous donner son bilan. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Parce que c'est triste quand je l'écoute. Quand je me rends compte qu'on me dit qu'on vient d'un même pays, je dis non. Parce que ce gars, même sa langue maternelle, il ne sait pas parler. Français, alors, c'est-à-dire c'est le karaté là-bas. Ça tombe, ça se relève. Ça tombe, ça se relève. C'est-à-dire, faire une phrase, sujet, verbe, complément, ça ne connaît pas. Et on va parler de quoi? Prenez donc le bilan de ce triste personnage. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Qui se rappelle de la période du patriote? Ou alors des patriotes? Vous vous rappelez? C'est quoi le bilan? Zéro. Zéro, Macabo. Patriotes, on va défendre notre patrie. On va défendre le Cameroun. Le président est arrivé, on va le défendre. C'est quoi la fin des patriotes? C'était la traîtrise là-bas. C'était le détournement d'argent. Toujours dans des cancans de vol et de mesquinerie. Patriotes, zéro. Le seul homme sur la toile, la seule piètre personne, piètre personnage, ridicule, zéro Macabo. En virtuel comme en réel. Jamais rien fait de sa vie. La seule personne où sa femme vient sur la toile, sa femme,
Parce que chez nous, les Bassas, quand tu as partagé la maison avec une femme, on te l'appelle ta femme, qui est venue sur la toile, en audio vision, dire que ce monsieur m'a détourné ma carte de crédit. 3 500 €. Il a pris dans ma carte, il a subtilisé ma carte de crédit. 3 700 €. Le seul homme sur la toile, du jamais vu. Du jamais vu sur la toile. Personne n'a jamais vu ça avec une femme ou un homme qui vient dire, mon copain, mon mari, je lui ai donné la carte pour faire les courses. Il m'a subtilisé 3 700 €, c'est un voleur. Et vous voulez qu'on réponde. Et vous voulez qu'on réponde à ce genre de personne. On va lui dire quoi? Une femme que tu dis aimer. Tu dis que tu l'aimes, ou bien tu fais même semblant de l'aimer. La finalité, c'est extorquer de l'argent qu'il vient même chez toi te nourrir. Et on va répondre à une ordure comme ça, par Jean Lumesson. Quand cette triste personne rentre dans un, comme on appelle vulgairement sur la toile, dans une lutte, tout de suite, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Ce monsieur fait partie de ceux-là qui ont envoyé le Zomloa en prison. Il fait partie de ceux qui ont tellement fait un bruit négatif que ce monsieur s'est retrouvé à Kondengi, là où il est aujourd'hui, à cause des personnages comme celui-là. Vilain le matin, vilain le soir, vilain au coucher. Je dis que si le Zomloa est à Kondengi, ce monsieur a participé à 50 ou 60% parce que ça venait crier dans le ridicule. Et l'État camerounais n'aime pas ça. Et vous avez vu comment ça a tourné après. Après ça, il vous parle encore du Zomloa. Triste personnage qui a volé l'argent partout. Il a aussi pris là-bas. Et aujourd'hui, le monsieur est là-bas où il est. Il ne parle plus de ça. Il ne connaît même plus ce monsieur. Même plus sa famille. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a pris sa poisse. Il a encore ajouté chez Bruno Bédian. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, quand il est venu avec sa triste danse de manipulateur, de menteur, d'affamé, de quelqu'un qui n'a jamais pu faire quelque chose, toujours dans les escroqueries. Quand on a parlé d'une éventuelle libération du Zomloa, ça dansait là comme un fou. Ça dansait pourquoi? Ça dansait pourquoi? Parce qu'il croyait que son sauveur est sorti de prison. Il vous a expliqué pourquoi il ne danse plus aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il ne danse plus aujourd'hui? Ce triste personnage, vous voulez qu'on lui réponde? Ça, c'est la malchance de tout un pays. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Chaque fois, il met son pied quelque part, il t'enfonce. L'argent de ce monsieur qui est à Kondengi est dans son ventre. Il ne parle plus de lui. Il est ailleurs. Et sa malchance ne s'arrête pas là. Le petit Badian, Bruno, il le met dedans. Il prend le petit Bruno, il prend, il met dedans. Partout où il passe, il est sorti ici. La femme de Bruno, Bruno Badian, Bruno. Il est où aujourd'hui? Même sa femme... Il n'appelle pas pour demander que Bruno va comment. Un piètre personnage qui est toujours dans des histoires de vol. C'est-à-dire, ce n'est que là qu'on le reconnaît. Dans l'escroquerie, dans la manipulation. Regardez le bilan de Facebook. Le bilan de quelqu'un sur la toile. Voilà son bilan. Zomloa en prison. Bruno Bédian en prison. Patriote, c'est la traîtrise et les escroqueries de bas 11 000 ou 20 000, je ne sais pas combien. Il marche avec la poisse. C'est pour ça. Moi, je suis un béni de Dieu.
et je suis sûr que je suis un béni de Dieu. Il y a des situations qui me le prouvent des fois. C'est pour ça ce piètre personnage, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. On s'est retrouvé par hasard dans une fête de notre tribu, comme ça. Mais mes allers-retours sur Paris, je l'ai toujours évité. Parce que je ne sentais pas. Parce que moi, j'ai le flair de ce genre de personnage ridicule, poisseux. Après, il vous dit, je vais au Cameroun, les poussins. Les poussins sont tous morts. Zéro poussin, il n'y a plus rien. Tout est mort. Tout ce qu'il fait, c'est la poisse. C'est-à-dire, si tu as un projet, n'associe pas ce mec. Tu l'associes, merci Suzanne Dongo. Tu l'associes, tu es fini, ton projet est dans l'eau. Tu l'associes dans ton projet, il est dans l'eau. Même si tu avais 2% ou 3% de réussite, ce mec vient avec sa poisse qu'il traîne, je ne sais pas où est-ce qu'il a porté. Eh bien, il va noyer tout ce qu'il y a devant lui et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les poussins sont où? Les champs sont où? Les propriétaires ont récupéré les terrains. C'est-à-dire, c'est un flottambeau, quoi. C'est-à-dire, il ne représente rien. Les terrains sont récupérés. Il est là. Il nous présente sa mauvaise tête tous les jours, ici, pour nous dire ce qu'il n'est pas. Les propriétaires ont récupéré les terrains. Voilà un triste personnage qui est venu ici devant vous, ou devant nous. Nous expliquer qu'il est propriétaire en Europe. Nous expliquer qu'il a 2 ou 3 maisons. Voilà quelqu'un qu'on a expulsé comme un malpropre à cause des aérés de loyer. Parce qu'il transforme la maison où il dort en maison de Waka. Et ce genre de personne vient donner des conseils. C'est-à-dire, c'est son bilan de Facebook. Hein. Si je mens, j'espère qu'il vous donnera son bilan positif. Moi, c'est ce bilan négatif de la piètre personne que je connais. Aucun autre bilan. Il est venu en vous disant, je suis propriétaire, voilà ma maison. Il a même fait partir certaines femmes là-bas parce que en mentant, je suis propriétaire, venez travailler chez moi. Voilà quelqu'un qui insulte les femmes, qui insulte les Waka et que sa maison... En fait, la maison qu'on lui a prêtée, qu'il n'arrivait même pas à payer, il l'a transformé en maison de Waka pour gagner des centimes. Voilà donc l'énergumène qui donne des conseils aux gens. Voilà donc cet énergumène-là. Cette poissure. Voilà donc la poissure qui se lève et qui parle, et il y a des abrutis qui l'écoutent. Parce que je me demande comment est-ce que le Camerounais normal continue à écouter ce genre de... Mais c'est une ordure que quand elle passe quelque part, mais les gens doivent fuir. Parce que maintenant, avant même, ça ne puait pas, maintenant ça pue. Quand tu vois le personnage, ça dégage des odeurs. Ça n'a rien à voir à côté de quelqu'un d'humain, de normal. Tu ne peux pas rester à côté de lui. Il va te mettre mal à l'aise. Et c'est lui qui prend la parole et qui a des choses à dire aux gens qui le dépasse à tous les niveaux. Voilà donc cette personne qui vous a dit que je suis propriétaire, qu'on a mis dehors comme un malpropre et qui aujourd'hui est devenu ben, comme un mauvais esprit qui vit partout et nulle part ailleurs. Et ça vient parler. Sur quelle base? Nous, quand on parle, on crie, on est chez nous. Il n'y a personne qui peut nous dire ici que calme-toi. Personne. Parce qu'on est chez nous.
Voilà quelqu'un qui discute la nourriture avec les petits-enfants, qui parle à des personnes comme nous qui donnons la nourriture gratuitement aux gens. Il discute le hamburger avec un enfant. L'enfant lui dit, c'est toi qui as mangé. Non, c'est toi qui... Tu discutes la nourriture avec un enfant. Et tu parles à quelqu'un qui donne gratuitement la nourriture. Et vous voulez qu'on réponde à ce genre de personnage ridicule. Hein? Quelqu'un qui ne vous a jamais présenté une fiche de paye. Quelqu'un qui ne paye pas les impôts. Quelqu'un qui est SDF à temps complet. Un gros squatteur qui discute le canapé avec les enfants. Et vous voulez que on prenne le téléphone, on réponde à cette personne. On va lui dire quoi? Il est ridicule. Il fait honte. Je dis que ni français, ni anglais, je dis même anglais, je suis allé très loin, ni son patois, il ne sait pas, il ne sait rien dire. Et regardez, pardon, le personnage qui veut se faire passer pour un moralisateur, qui veut se faire passer pour ce qu'il n'a jamais été. Tout le monde est tribaliste sauf lui. Voilà donc ce cancre-là qui a pris la matiette, qui a dit, je vais exterminer toute une tribu. Et vous continuez à faire confiance à ce genre de personnes. Voilà quelqu'un qui est venu en Mojovision. Il a dit, je vais vous couper. Je vais vous tuer. Devant vous, avec la matiette. Et on voit les gens continuer à lui faire confiance. Voilà ce genre d'individu. Voilà ce genre d'individu que nous avons sur la toile comme des dénonciateurs. Voilà donc nos dénonciateurs. Et cette triste personne ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée très loin. Je suis en train de faire son bilan sur la toile, hein. Il n'y a pas un autre bilan que ce que je vous donne. C'est son bilan. Tout ce que je vous énumère là, c'est son bilan et pas de quelqu'un d'autre. Il prend la matiette. Il dit, je vais vous exterminer. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un jeune garçon de l'Ouest qui meurt aux États-Unis de façon tragique. La seule personne sur la toile a exposé les corps de ses compatriotes. C'est-à-dire que quelqu'un est mort de façon atroce. Et tu as le courage de prendre cette image et de la mettre sur la toile. Et de se moquer de quelqu'un qui est d'abord mort dans la souffrance. T'as dit cette personne est morte en souffrant. Et tu reprends cette souffrance. Tu viens infliger à ses parents, aux gens qu'il aime, à ses amis, et tu en es fier. Et tu as des abrutis qui te suivent. Ce gars, c'est un démon. Il faut le fuir, il faut l'éviter. Il ne sert à rien. Il ne peut apporter à celui qui est à côté de lui que de la poisse. Il traîne une poisse, lui seul sait où il a été la chercher. Et son travail qu'il a sur Meta, c'est mettre cette poisse-là, cette salissure sur toutes les personnes qu'elle approche. Sachez que quand vous êtes à côté de ce mec, vous prenez de sa saleté. Obligé. Vous ne pouvez pas l'éviter. Quand il est à côté de vous, sa saleté qu'il traîne depuis je ne sais pas quand, vous l'avez avec vous. Est-ce que vous avez déjà vu ici sur la toile quelqu'un exposer le corps d'un humain qui a été atrocement tué, quel que soit ce qui s'est passé? Mais lui, il a ce courage. Il a ce courage.
Mais ce n'est pas le courage, c'est la bêtise. Parce que justement, quand on n'a pas été à l'école, on n'a pas de limites. Quand on n'a pas été à l'école, on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne raisonne plus. Quand on n'a pas été à l'école, et quand on vous met dans un milieu comme celui qui est Facebook, où Zuckerberg vous a dit que parlez, et puis on va vous payer, mais les gens sont prêts à dire n'importe quoi, et à présenter de n'importe quoi. Surtout ces personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais su ce que c'est que la réflexion en profondeur. Ça veut dire que tout est bon pour parler. On prend le cadavre, on met là. Oui, c'est moi, j'ai exposé ça. On est content. Moralité. Abruti le matin, abruti le soir, abruti toute sa vie. Et ça donne des conseils. Et ça donne des conseils aux gens. Hein? Ça vient, ça donne des conseils, ce genre d'individu. Quel conseil ça peut donner? Quand tout ce que je vous ai énuméré là, une personne le fait, elle peut encore donner quel conseil? J'espère que vous avez bonne mémoire. C'est pour ça que moi je me répète toujours. Lors d'un live ici, de cette personne, de leur bande de l'axe du mal, la bande de l'axe du mal, qui était déjà en train de se formater, et que moi j'ai eu ce flair depuis longtemps, la bande de l'axe du mal, où on fait un direct. Les gens vous disent, cette poissure-là, cet énergumène qui ressemble à un dessin animé, on dirait que quand tu le regardes aujourd'hui, on dirait qu'on joue les fléchettes sur son visage. C'est-à-dire, si vous connaissez le jeu de fléchettes, c'est comme si c'est les fléchettes qu'on joue sur son visage. Qui ne ressemble, c'est-à-dire, merci, beauté, Bams, l'incarnation de Lucifer. Et c'est pour ça, il est en train de se transformer devant vous. Vous allez voir son visage, il va prendre le vrai visage de Lucifer. C'est-à-dire, quand vous voyez le visage là, on dirait qu'on joue les fléchettes sur le visage là. C'est-à-dire, on joue les fléchettes et ça va se décomposer devant vous. Vous allez voir la vraie personnalité. C'est son visage que on est en train de découvrir. Et on va le découvrir encore plus. Et on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Il ne va pas échapper. Parce que, comme il est bête, il ne réfléchit pas. Mais il viendra toujours vous montrer ce visage. Parce que s'il ne le fait pas, il n'aura plus à manger. S'il ne le fait pas, là où il squatte, puisque les conditions qu'on lui donne, ça fait partie de ça. Il faut parler parce qu'on a envie de manger. Il faut que l'argent rentre, qu'on dise n'importe quoi. Même si tu as un mauvais visage, il faut que tu dises quelque chose pour que les gens t'écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ce personnage qui est obligé. Et ça vient, ça nous parle. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait 2 minutes pour l'écouter. Dans un mensonge, c'est-à-dire du premier, de la première phrase à la dernière. De la première phrase à la dernière, ce n'est que du mensonge. C'est-à-dire, il ne sait rien dire d'autre que du mensonge. Mensonge sur mensonge. Que du mensonge sur mensonge. Cette personne comme ça, elle peut servir à quoi? Dans la vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, elle peut servir à quoi? Elle ne sert à rien. Il ne faut pas s'attarder. On a vu l'axe du mal. Je disais encore lors de ce direct, où l'axe du mal se construisait déjà. Ils disent en plein direct, nous allons tuer telle personne. Pour ne pas le citer, Monsieur Mvondo, vous vous rappelez de ce direct, je suis sorti. J'ai dit que je ne suis pas
favorable à ce genre de procédé. On ne peut pas dire en direct qu'on va empoisonner quelqu'un, on va tuer quelqu'un. Ça s'est dit en plein direct. Certains d'entre vous l'ont vécu. Certains d'entre vous ont vécu ce direct. Où je suis sorti, j'ai dit non, je ne m'associe pas à ce genre de choses. Je ne suis pas là pour tuer les gens. Je ne peux pas m'associer à des personnes qui veulent tuer. On peut s'énerver, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas tuer. Et je peux vous dire aujourd'hui, la main sur le cœur, que c'est à ce moment que mes problèmes ont commencé avec l'axe du mal. Parce que je leur ai dit non. Parce que moi, je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas un tueur, je ne fais pas ça. Je peux ne pas être avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord, je peux refuser même l'amitié, mais je ne vais pas rentrer dans une histoire de tuerie. Non. J'ai dit non. C'est ce jour-là que des choses, l'axe a commencé à chercher des poux sur ma tête qui n'a pas de cheveux. Mais comme je sais que je suis un baobab, c'est des petites personnes. J'ai continué à faire avec parce que je sais que ils ne me peuvent pas. C'est des petites personnes. C'est-à-dire, c'est une bande de personnes qui ne réfléchit pas. Analphabète un jour, analphabète toujours. Vous allez réfléchir comment? La tête ne fonctionne pas comme il faut. La réflexion n'est pas là. Tout est limité. C'est-à-dire, on agit à l'instinct comme un animal. On n'appréhende pas les répercussions. On ne se voit pas en train de voilà, on ne se dit pas que eh ben il y a des gens de l'autre côté qui peuvent réfléchir autrement. Non, quand on a une idée banale, eh ben on la balance et on est sûr que voilà ce qu'on a dit. C'est un peu comme ces personnes où vous avez des conversations privées, très privées, dans une ambiance fraternelle, amicale et tout, eh ben qui se décide du jour au lendemain de venir avec les conversations croyant dans leur petite tête que eh ben c'est pour vous clouer, et pourtant ça se cloue soi-même. Parce que quand on réfléchit, on ne peut pas sortir des conversations privées. Il est hors de question qu'on vienne se justifier sur des conversations privées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à dire. Donc vous pouvez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Parce que pour moi, ça représente rien du tout. C'est des personnes qui n'ont ni la tête, ni la queue, ni rien du tout. C'est-à-dire, c'est tout, ces personnes-là, quand tu les vois sur la toile, c'est tout. Il n'y a rien d'autre après. Mais voilà le bilan négatif de la toile. Sur le virtuel, voilà le bilan négatif. Dans le réel, il y a quoi? La seule chose qui aurait pu sortir ce triste personnage, ce personnage obscur, merci Bams beauté, qui pouvait même lui donner quelques galons. Parce que nous avons trois fêtes dans la vie d'un être humain. Trois fêtes qu'on doit respecter. Il y a la naissance, que c'est ceux qui nous mettent au monde qui font cette fête. Il y a le mariage qu'on organise soi-même parce que justement on veut faire plaisir à la famille, on veut faire plaisir aux amis, on veut faire plaisir à tout le monde. On prend les soins d'organiser. Et il y a la mort, que c'est d'autres personnes qui organisent pour toi. Regarde ce triste personnage qui est incapable de prendre des bénédictions à organiser le deuil de celle qu'il a mise au monde comme sa maman. Regardez jusqu'à quel point quelqu'un est piètre dans sa vie. C'est-à-dire même accompagner ta maman à sa dernière demeure. C'est d'autres personnes qui viennent le faire pour toi. On te demande que tu as quoi comme apport personnel.
Tu dis que je n'ai que 100 000 francs. Le deuil d'une femme qui t'a accouché, qui t'a protégé, qui t'a élevé, tu ne peux pas l'enterrer. C'est d'autres personnes qui viennent et qui viennent t'aider. Et tu leur dis que je n'ai que 100 000 francs dans la poche. Regardez-moi celui-là qui parle devant les gens ici sur Meta. Zéro dans la vie réelle, zéro dans la vie virtuelle. Il peut donner les conseils à qui? Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Celui-là même ou celle-là même qui prend l'initiative de faire le deuil. Tes respects, tes reconsidérations, ça ouvre encore la bouche édentée pour parler à cette personne. Pour lui dire qu'elle ne représente rien. Ça ouvre sa bouche pour parler à cette personne qui a enlevé la honte sur lui. Que ta propre mère, tu ne peux pas la mettre sous terre. Tu n'as que 100 000 francs. On le fait à ta place. Et tu ouvres ta bouche édentée après pour parler à ces personnes. Pour parler à ces personnes. Je ne vaux pas mon cas hein, parce que ridicule. Je ne veux même plus m'associer à cette personne. Alors vous voyez le bilan. Vous voyez le bilan de cette tristesse, de la honte de toute une tribu, pour ne pas dire un village. Ça prend le téléphone et ça vous dit que je suis mené quoi? Voilà le bilan virtuel, zéro. Réel, zéro. Le seul Camerounais qui va au Cameroun et qui dort par terre. Tu es SDF en Europe. Même chez toi, tu dors par terre. Et tu viens parler aux gens qui donnent des lits gratuitement. N'est-ce pas? Tu viens parce que Zuckerberg a créé ce qu'on appelle Facebook. Chacun prend son téléphone. Il y a des individus là qui n'ont rien à faire de la journée. Et ben qui peuvent écouter n'importe quel cancre là, n'importe quelle piteuse personne. Et ben voilà. Ils viennent, ils t'écoutent, et certains disent que oui, il a raison. Hein, parce que vraiment, voilà, quelqu'un dans le virtuel, il a raté. Dans la vie réelle, il a raté. Il donne des conseils. On l'écoute. Qui t'écoute? C'est même qui? C'est personne. Mais est-ce que vous-même, là, qui écoutez? Mais zappez-moi cette personne. Mais laissez-la dans sa tristesse. Mais il est la honte de même de l'amitié. Ça veut dire que même si tu es son ami, tu as honte de dire que je suis son ami. Tu as honte de dire que je suis son ami. Et je vois des personnes sur la toile qui ont de la parole, qui continuent à avaler des couleuvres parce qu'on les tient par-ci, on les tient par-là. Et c'est ça le fonctionnement de cette triste personne. Parce que ceux-là que vous voyez qui ne disent rien, ou celles-là qui ne disent rien, parce que cette triste personne les a traînés dans des choses sales, et que ces personnes ont peur de parler, parce que elles vont sortir les secrets. C'est tout. T'as dit, lui, sa vie, c'est de t'amener jusqu'à te piéger. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne l'ont pas compris. C'est pour ça que moi, je ne l'ai jamais approché. C'est pour ça que je ne l'ai jamais approché. Il a pris toutes ces personnes, amenées dans un couloir où il les a coincées. Il a trempé ces personnes dans la merde. Et le jour que ces personnes vont parler, eh bien, il dira toute la merde que cette personne ne voudrait pas qu'on sache. Voilà donc le fonctionnement de cet individu. Ça s'appelle du chantage. Merci Patricia Singa. Et on fait quoi d'une personne comme ça? Elle représente quoi dans notre milieu? Elle représente quoi dans notre milieu? Elle ne représente rien. Et regarde alors pour finir. Pour finir, c'est là où j'invite Lolo. C'est là où j'invite Lolo dans ce direct. Parce que Lolo a eu l'occasion de dire la vérité à ce triste personnage. Je l'observais.
Je ne sais pas quel cœur est la Lolo, mais à un moment donné, quand tu t'entoures des fausses personnes, eh ben, ta chute n'étonne personne. Quand tu t'entoures des personnes fausses, tout le monde constate que ces personnes sont fausses autour de toi. Ça n'étonne personne, ta chute. Lolo, tu t'es posé la question une fois dans ta vie. Est-ce que tu t'es posé cette question? Que pourquoi toi, une Bamileke, une fille de l'Ouest, tu te fais attaquer par tes frères et sœurs de l'Ouest? Tu es la seule blogueuse de l'Ouest qui a été attaquée par sa famille. Pourquoi? Parce que tu étais entouré de ce genre de personnes. Parce qu'on te voit, c'est-à-dire, la famille est sacrée. La famille, c'est quelque chose de sacré. Toi, le fils ou la fille de la famille, tu peux faire des erreurs. Mais on ne peut pas te laisser couvrir des tueurs et c'est-à-dire des tueurs en série. Parce que ce mec, c'est un danger pour la vie de tout un être humain. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné, pourquoi ses frères se sont rebellés contre toi? Parce que tu avais ce genre de personnes autour de toi. Tu ne t'es jamais débarrassé et dire que, mais non, cette personne est tellement sale, je ne te veux plus à côté de moi. On te voyait jouer comme les cafouillages et ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Tu as eu tellement d'occasions pour lui dire la vérité. Comme il y a quelqu'un d'autre là qui doit lui dire la vérité. Mais un jour, cette vérité, je viendrai vous la dire. J'attends, j'observe. On ne peut pas avoir le potentiel de parler et de dire les choses comme il faut sur la toile. Parce que nous sommes aussi là pour dénoncer, pour accompagner les jeunes, pour leur dire les choses comme elles sont. Et qu'on voit des personnes qui peuvent passer des messages, cajoler, jouer, ne pas parler. Moi, je vais parler. Et quand je vais parler, ça va sentir très mauvais. C'est pour ça que je voudrais que ces personnes dénoncent ce qu'on appelle l'ingratitude. Parce qu'on a vu l'ingratitude. On la voit. Et vous ne dites rien. Vous jouez. Vous faites un jeu qui est bizarre. C'est pas bon. Le jeu là n'est pas bon. Il faut dénoncer ce qu'on a vu. Parlant de Lolo, chacun de nous est sur la toile, chacun a son couloir. Chacun devrait respecter le couloir de l'autre. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de se fréquenter. Mais il faudrait qu'on respecte nos couloirs. Bonsoir Nancy Beauté. Bonsoir Patricia de Toulouse, ma personne personnelle. On devrait respecter nos couloirs. Vanessa Evuna, bonsoir. Vous comprenez? Tout le monde voit ce que Lolo fait sur la toile. Tout le monde voit ce que Lolo fait sur la toile. Tout le monde voit les invités que Lolo a dans ses différentes émissions. Et regardez-moi une salissure comme ça, qui vient dans une émission pour qu'on lave sa salité, là, qu'il traîne partout. Et remarquez que c'est depuis son passage de Lolo que la chaîne de Lolo est même fermée. Qui va encore là-bas? Il a sali. C'est-à-dire, la chaîne de Lolo, là, elle doit tout changer là-bas. Et les sièges, et les caméramans, et tout ce qu'il y a là-bas, parce qu'il a sali tout là-bas. La poisse est versée là-bas. Sur Lolo elle-même. La preuve, vous avez vu les invités d'après. Ils ont fait poteau à Lolo, non? Ici, là, devant nous, tous, on a vu le poteau. Parce que la poisse est passée avant. Il a versé le vénin gâté. Il a tout gâté là-bas. C'est un piètre personnage qu'on doit éviter. Ça vous salit vos vies. Quand il te met à côté de toi, la poisse est en toi. Ça ne marche plus. Mais si je m'en vois là, Lolo, il a encore fait quoi de plus? Elle a encore fait quoi de plus? Le Ndoutou. Merci. Le Ndoutou suit Lolo jusqu'aujourd'hui. Si elle ne se lave pas avec du sel pendant 7 jours, et en maudissant cette personne, le Ndoutou là ne partira jamais.
Je te donne le secret. 7 jours avec le sel. Et en prononçant le nom de ce vilain personnage, qu'on dirait qu'on joue, les fléchettes sur le visage. Le Ndoutoula ne va pas finir. C'est ce Ndoutoula qui est encore là jusqu'à aujourd'hui. Voilà ça. Les invités te font poteau. Ceux qui donnaient même l'argent avant et les étoiles, ils te font comme ça. Parce que tu as embrassé le Ndoutou. Et Dieu t'a donné l'occasion de lui dire ce que tu penses. Tu n'as pas dit. Tu as joué avec. Je t'ai vu quelquefois. Oh, tu sais, je t'aime bien. Moi, tu es quelqu'un que j'aime bien, je respecte. On respecte une salissure. Tu respectes la boue, Lolo? Tu respectes, tu peux sortir de ta bouche que je respecte la merde. Tu respectes tout ce que tout le monde fuit. Quand une sœur comme toi, qui s'appelle Madame Wanzou, vient devant les gens dire que ce monsieur, c'est un danger public. C'est ta sœur du village. Elle parle, elle dit les choses comme ça. Tu ne crois pas à ta sœur du village? Tu dis à un aventurier, il n'est même plus aventurier. Parce que lui, le domaine de l'aventure, ce n'est, t'as dit, l'aventure, c'est pour des personnes qui ont un peu quelque chose dans la tête. Et tu continues. Et tu continues avec cette personne-là. Il était temps. Ma mère disait toujours, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Lolo, cette histoire qui est arrivée, à quelque chose, malheur est bon. Il était temps que cet axe du mal, dirigé par ce piètre individu avec le visage des fléchettes, il était temps que ça s'arrête. Et il était temps que tu dises les vérités. Parce que moi, mes sangs, je m'en fous du candidaton de la toile. C'est-à-dire, quand je finis là maintenant, je vais aller dormir et le coup que je dois donner à ma femme tous les week-ends, je vais donner ça avec la même force, la même ambiance, la même fraîcheur. Les histoires de la toile ne me perturbent pas le cerveau. Jamais. Parce que sur la toile, comme je le dis tout le temps, c'est un milieu sans foi ni loi. Tu ne viens pas ici pour te faire aimer. Quand tu as quelque chose à dire, surtout de vrai, tu dis la vérité. Le mensonge ne passe pas. On a des gens qui nous regardent, des gens qui réfléchissent, des gens qui comprennent nos messages. C'est pas ces deux personnes ou trois qui sont à côté de toi qui te disent que non, tu es bien, donc il faut... Non, c'est pas pour ces personnes que tu fais. Quand on prend le téléphone, on parle pour des personnes qu'on ne voit pas. Et moi, de mon analyse, les personnes qu'on ne voit pas sont très importantes parce qu'elles nous ont toujours apporté. Je parle de moi, de ma personne. Ces personnes qu'on ne voit pas sur la toile, c'est elles qui nous apportent beaucoup parce qu'elles écoutent. Elles ont un raisonnement clair. Elles ne sont pas là dans les luttes de team, de amis, non. C'est des personnes neutres et qui ont des analyses très basiques et logiques. Donc quand tu prends ton téléphone, toi que les gens écoutent, toi que les gens voudraient suivre, on t'écoute en train de dire à un poisseux, je t'aime bien, mais vraiment, mais on va dire que tu es perdu. Mais regarde donc le retournement aujourd'hui, Lolo. Tous tes frères du village et sœurs qui t'ont pourchancé, ils ont vu l'ingratitude et ils se sont levés. Ils ont d'abord dit la famille. Il faut qu'on sauve d'abord notre sœur. On oublie nos petites querelles de la maison. On oublie nos querelles. On parle maintenant d'abord, on doit sauver la sœur du village. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai apprécié. Et j'apprécie. Parce que rien n'est plus fort que la famille.
Et quand la famille se lève pour toi, c'est un signe d'amour. C'est la famille te montre que on t'aime. La famille te montre que on t'aime. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, ce que la famille de l'Ouest a fait, c'est ce qu'on appelle la solidarité familiale. Et c'est ce qu'on vous apprend. Parce que nous autres, nous sommes tous du même pays, nous sommes tous des Camerounais. Mais nous savons que ce qu'on appelle la solidarité, on vous apprend ça dès le bas âge. On vous dit que le frère d'abord, même si vous ne vous comprenez pas, même si vous avez des antécédents, on dit que sauve d'abord ton frère. Va d'abord vers ton frère. Aide ton frère. C'est ce que nous autres, nous n'avons pas. Nous autres, nous n'avons pas. On ne connaît pas la solidarité chez nous. On ne connaît que la haine. On ne connaît que des rivalités qui n'ont rien à voir. On ne connaît que vouloir détruire ou descendre son frère ou sa sœur. On ne sait pas amener son frère à la réussite. Nous, chez nous, on ne sait pas ça. Mais vous, vous avez la chance que vous l'avez. Vous avez ce côté fraternel qui sort toujours et qui fait boum. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, Lolo. Ta famille est sortie pour toi. Elle t'a montré que nous sommes là. Tu as ta sœur qui est une blogueuse comme toi. Et qu'on vous utilise pour que vous vous détestez. Moi, je suis pour que vous vous mettez ensemble. Vous devez être ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis. Mais vous devez vous comprendre. Parce que ici, sur la toile, si les gens de l'Ouest décident de monter leur solidarité, nous autres, nous allons disparaître seulement. Parce qu'ils sont capables de vous surlivrer. Je l'ai dit ici, lors des antécédents des promoteurs à Paris. J'avais dit lors d'un direct ici que ce qui se passe à Paris entre les promoteurs là, c'est pas bien. Parce que quand les gars Bamileke vont s'énerver, c'est eux qui mettent leur argent, ils vont vous imposer le Ben Sikin et on va danser que le Ben Sikin. Même s'il faut le faire à perte, ils le feront juste pour imposer leur leur hégémonie, leur puissance. Parce que c'est leur argent. J'avais dit ça. Et c'est des choses qui sont vraies. Des fois, on n'a pas envie d'entendre ça, les gens ne veulent pas. Mais c'est la vérité. Quand tu mets ton argent, c'est toi qui décides ce que tu fais de ton argent. C'est la même chose ici sur la toile. Nous qui sommes ici sur la toile. Le meilleur soutien ici, c'est les gens de l'Ouest. C'est eux qui savent surlivrer leurs personnes, même dans l'hypocrisie. Mais eux, ils le font. Ils le font parce qu'ils disent que la famille d'abord. Donc ces deux blogueuses-là, Lolo et sa compatriote, vous avez tellement d'opportunités sur la toile que ces tristes personnes qui vous divisent voient ces opportunités et elles ne veulent pas vous voir ensemble. Parce que ensemble vous allez faire beaucoup de choses. Ne serait-ce que votre position divise votre village. La position où vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble divise la maison. La maison se divise à cause de vous. Et ça profite à ce genre d'individu qui vient ici raconter des conneries à longueur de journée et que des personnes, je ne sais pas comment elles font pour l'écouter. Votre synergie gêne. Mais je vais dire un comme moi, ça ne me gêne pas. Parce que je sais que je viens ici sur la toile. Je n'ai pas besoin du soutien ni de Lolo, ni de ta consoeur Flore. Je viens, je parle, mon message va passer. Mais ces personnes ont besoin de vous diviser. Parce qu'elles savent que si vous êtes toutes les deux, le reste là n'existe plus. Le reste n'existe plus. Elles sont oubliées complètement. Elles sont oubliées. Moi, je vous appelle à vous mettre ensemble. Vous devez vous mettre, vous ne devez pas être des amis.
Mais cette hache de guerre-là qui n'a ni tête ni queue, vous avez les mêmes sponsors. Vous avez les mêmes gens qui vous donnent les étoiles et l'argent et tout et tout. Je dis encore que c'est les gens de l'Ouest. C'est eux qui donnent. Les meilleurs soutiens ici, c'est eux. Merci Shekina. Divisez pour mieux régner. C'est ce que ces gens vous font. Et vous tombez dans ça. Parce qu'il y a un manipulateur qui s'élève, qui vient, qui te dit, oh, Renker, que on va mettre dans un piètre piège pour qu'elle ne parle jamais parce qu'elle est encerclée. Lolo, ma sœur, qu'on dit aujourd'hui que je suis venu vers toi à ta télé parce qu'on ne te connaît pas. J'ai voulu te faire connaître. Regardez-moi les tristes personnes comme ça, là, qui ne peuvent rien faire dans leur cadre. On leur donne un cadre pour essayer de parler, essayer de qu'on les voit aussi. Ils viennent vous expliquer que vous leur donnez ce cadre parce que vous avez plus besoin d'eux que... Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vécu ça. C'est pour ça que je peux comprendre ça. Et c'est pour ça que je peux bien parler de ça. C'est pour ça que je peux bien parler de ça. Parce que je sais ce que c'est. Vous êtes là à m'écouter, vous ne partagez pas le direct. Donc ce que je suis en train de dire là ne vous intéresse pas. Partagez-moi ce direct parce que l'axe du mal, on doit le détruire. Vous êtes là pourquoi? Pour m'écouter? C'est vrai que vous êtes là pour m'écouter. Mais vous êtes là pour partager. Parce que le message doit aller très loin. Parce que nous avons commencé un combat. On n'est plus dans les histoires de tribalisme. Je vous le dis tous les jours. Et quand je le dis là, je parle aux frères et sœurs de l'Ouest. Moi, sur la toile, on peut me donner tous les noms. Je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que je sais que les gens que vous respectez, je parle des gens de l'Ouest. Ceux-là qui sont vos supérieurs, vos chefs, m'ont accueilli dans leur royaume. Et ont fait asseoir mes enfants là où vous ne vous assirez jamais. Donc quand je parle avec autorité. Donc les petits noms qu'on me donne, je m'en fous éperdument. Parce que quand il faut prendre conseil, je vais chez eux. Ils me donnent les vrais conseils. Ils me donnent les vraies bénédictions. Et quand on va se retrouver là-bas un jour, vous ici qui m'appelez tribaliste et tout ce que vous voulez, vous allez me donner le tchakap. Parce que c'est là-bas que moi je suis. Eux, ils connaissent ma valeur. Même chez moi, on ne connaît pas ça, mais eux, ils la connaissent. Eux, ils la connaissent. C'est pour ça que quand je vois vos petits... Ça m'amuse, j'ai même pas envie. Je ne vous réponds jamais, parce que je vois la petitesse. Parce que moi, je suis avec vos supérieurs que vous respectez. Donc, Lolo, vous devez, ne serait-ce que pour sauver l'honneur du village, vous devez vous mettre ensemble. Parce que le village a envie de vous voir ensemble. Parce que ce que tu as vu le village faire, c'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Et je peux te dire une chose. Il faut remercier le bon Dieu, Lolo, d'avoir une sœur comme Rêve Biaï. Il faut dire merci au ciel. Parce que quand tu vois même des stars, des fois, rester dans le cocon familial pour faire évoluer un frère ou une sœur de la famille, ça se travaille en famille. Quand tu as une sœur qui a un potentiel comme ta sœur, tu as intérêt de la voir très très près de toi. Et si quelqu'un d'aventure, même qui travaille avec toi, te dit un jour que ta sœur ne doit pas être à côté de toi, sache que cette personne ne t'aime pas. Parce que le travail que ta sœur fait,
On aimerait tous avoir des sœurs comme ça. Surtout quand on est un homme public ou une femme publique. Parce que personne ne peut te défendre que ta famille. C'est-à-dire, il n'y a que la famille pour te défendre à un niveau où elle peut laisser même la vie. Et c'est ce que ta sœur fait. Et tu dois respecter ça. Et tu dois dire merci au ciel d'avoir une sœur comme ça. Parce que c'est très très important. C'est très important d'avoir une sœur qui est déjà intelligente et très éveillée. Et qui veut de ton bien. Parce qu'il y a des sœurs qui combattent aussi des frères et des sœurs, malheureusement. Malheureusement. Mais tous ceux-là qui sont pour la division que nous voyons ici sur la toile, ces personnes-là, je peux vous dire que elles ne veulent pas de votre bien. Ces personnes ne veulent pas de votre bien et je ne vous demande pas d'être amis. Je ne vous demande pas d'aller en soirée ou je sais pas, en vacances ensemble. Mais cette division-là que vous vivez là, dans votre famille, essayez de là, je ne sais pas comment, mais essayez de trouver ce qu'il y a lieu de faire pour que tout ça s'arrête. Et quand tout ça va s'arrêter, vous verrez qui sont vos amis et qui ne sont pas. Parce que des amis, ceux-là qui sont autour, qui vous disent que restez comme vous êtes, c'est pas des amis, c'est du mensonge. C'est des gens qui ont peur, qui ne peuvent pas évoluer sans vous, sans ces attaches qu'ils ont, qui ne peuvent pas évoluer comme Jean Lumessant, qui vient sur la toile, il dit ce qu'il a envie, sans consulter qui que ce soit. Ils ne vous aiment pas. Maintenant, c'est à vous de voir. Comme on dit souvent, ah, du camère, je vais te prendre, je te vois. Je te vois là. Voilà, je t'ai envoyé là-dedans. Mais comme c'est en vous, si vous ne comprenez pas ça, moi j'ai parlé ma part ce soir. Et je vous dis, je n'ai pas envie de votre soutien ou de votre non. Je veux juste vous voir comme des femmes qui influencent et qui rehaussent leur village. Parce que vous rehaussez sur la toile votre village. Et comme on ne veut pas ça, on vous fait croire que chacun a besoin de fonctionner seul pour... Non. Regardez même le monde. Regardez comment le monde fonctionne. La Russie se met avec la Chine, avec la Turquie, avec tout ça. Tout, c'est-à-dire aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Que quelqu'un ne te dise pas que je veux fonctionner seul, c'est le mensonge. Si quelqu'un te dit ça, il ne t'aime pas, il te ment. Moi, j'ai dit ma part ce soir. Je sais que sur la toile, vous avez vu ces piètres individus venir vous dire que un terrain comme Facebook ou Zuckerberg donne la priorité à chacun de s'exercer. Tu vois des individus qui s'élèvent là-bas et qui te disent que on va te faire partir d'un terrain qui est gratuit. Comme si je décide même de couper les têtes des gens ici, même Zuckerberg ne peut pas me faire partir. Il m'a donné cet accès de faire ce que j'ai envie de faire. Mais tu vois des piètres individus qui ont l'eau dans la tête. Il te dit que je vais te... C'est-à-dire, tu te demandes que les gens là dorment, ils raisonnent comme nous autres. Tu te demandes que ces gens-là ont de la... Il y a encore quelque chose dans la tête. Avec le visage des fléchettes. J'ai parlé. Du camère, bonsoir. Bonsoir, mon grand frère, le doyen. Bonsoir, mon frère. C'est un direct qui est plein de bons messages. Je pense qu'il doit être bien conservé comme un direct assez précieux. Il y a tellement de bons conseils dans le live. Je suis fier de toi, fier de ce que tu es en train de tout ce que tu dis. Et donc,
La toile aujourd'hui a un autre visage, le visage de la sincérité. On ne fait plus semblant sur la toile. En 2024, on dit la vérité à qui de droit. Et le grand frère, il donne le ton. Parce que sur cette toile, chez les hommes, sur cette toile en général, c'est le doyen en âge, en expérience. Et même aussi, s'il faut joindre ce qui est comme exemplarité, M. Messant est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui remplit. M. Messant remplit toutes les cases qu'on demande aux gens sur Internet. C'est un monsieur qui est marié. C'est un monsieur qui est fidèle. C'est un bon chocolat pour sa femme. C'est un monsieur qui est un bon père d'enfant. C'est-à-dire que quand nous faisons de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, M. Messant remplit toutes ces conditions-là. Il est auprès de ses enfants. M. Messant auprès de ses enfants, donc c'est un bon père comparé aux gens qui sont sur Internet, qui se font passer pour je ne sais quoi, qui ont abandonné 11 enfants, on sait d'où. Donc, j'aimerais comparer un tout petit peu parce que M. Messant ne saurait lui-même parler de lui. C'est son petit frère qui se charge de sur des faits, merci. En fait. Donc, merci beaucoup. Ça ne peut jamais, ça ne peut pas être la talakou. C'est la réalité. Monsieur Messant, c'est un monsieur qui est attaché au travail, aux valeurs du travail. Voilà. Il travaille. Donc, là-bas, il a 10-10. Maintenant, est-ce que c'est à moi de vous le dire que c'est un très bon chocolat pour Madame Messant? Je vous laisse mettre la note sur 10. Est-ce que M. Messant est quelqu'un de méchant? Je vous laisse en commentaire répondre. Parce que quand vous voyez les directs d'un monsieur qui a un bon cœur, c'est-à-dire que. C'est la réalité. M. Messant. Excuse-moi. Ouais. Si vous voyez quelqu'un, je vais demander à un individu analphabète, méchant, qui transmet le direct du sage Messant, qu'il profite plutôt des conseils. C'est-à-dire que quand il est en train de transférer ses lives, celui qui a, je ne sais pas, le camnogo sur la tête, là, celui qui est malade, là, à qui le pasteur a demandé d'aller à l'hôpital se soigner, parce qu'on remarque même qu'il a transmis même ça à sa femme. Là. Donc, on lui dit que quand il transmet le direct de M. Messant, qu'il essaie de profiter de l'expérience, des conseils du doyen, d'un homme plein d'expérience. Voilà, qu'il profite des conseils, parce que M. Messant prend les valeurs du travail, il prend les valeurs de la fidélité, du respect de sa partenaire, du respect de ses enfants. Quand on, les gens, c'est-à-dire que M. Messant est une source d'inspiration pour les gens qui le regardent. Donc, ceux qui transmettent le live là, donc, au lieu de profiter de 20 $, 30 $, la sagesse qui est transmise dans la directe de M. Messant, elle de loin au-delà de 10-15 €. Parce que quand il transmet des lives, ne pensez pas qu'il transmet des lives là pour clasher. Hein. C'est toujours la recherche d'argent. Donc, tu profites de quelqu'un parce que monsieur Messant ne peut pas perdre son temps précieux de transmettre les lives de cet individu. Donc, ne croyez pas que quand celui-là qu'on ne peut pas prononcer ici pour souiller notre live. Non, faut pas souiller mon plateau. Pas du tout. Mais voilà, donc. Quand il transmet ce live-là, c'est tout simplement pour se faire, il veut se faire de l'argent sur l'intérieur. Donc, on lui dit donc que Monsieur Messant s'élève tous les matins, il va travailler. Monsieur Messant est marié. C'est un marié sérieux, ce n'est pas la pacotille. Si on demande à Madame Messant comment elle se sent dans le mariage-là, vous allez voir la joie, le sourire. Déjà que quand vous regardez la directe de Star Messant, vous voyez le sourire. Donc, une femme qui dort bien, le cocotier. Vous en savez quelque chose. Donc, mon interprétation du live de notre grand frère, c'est tout simplement vous dire que la toile a changé, on dit la vérité à qui de droit. Et comme il a dit, que nos sœurs privilégient la réconciliation, qu'elles se serrent les mains. Parce que il n'y a personne qui va enlever l'argent dans la poche de l'autre. Tu mets à chacun aura sa part. Plus on est ensemble, plus les gains pour chacun sont grands. Les guerres diminuent les gains. Si quelqu'un est connecté, tout le monde va dans son direct, on partage, la personne gagnera plus. Si maintenant,
on est dans les guerres, quelqu'un veut même aller regarder le direct de son frère pour donner la vue, il va se cacher. Donc, le message de ce soir est pacifique. Ceux qui veulent rester dans la haine vont rester des gros mendiants. Ils vont rester éternellement des mendiants. Donc, pendant que M. Messan va peut-être acheter une nouvelle voiture, c'est sûr, bientôt, parce qu'il aime les belles voitures, ou il va peut-être acheter un bel appartement quelque part. Eux là, les vauriens, les mendiants vont continuer de se faire bastonner par les hommes qui ne travaillent pas. Et l'autre va continuer d'avoir les trucs sur la tête. On ne sait même pas où c'est quoi. Donc, c'est un peu. Donc, ça dit que la méchanceté. On joue les fléchettes sur sa tête. le dernier va continuer à jouer sur sa tête. Donc, l'excès de méchanceté, c'est lui. Pour avoir ce genre de trucs sur la tête, regardez tout le monde en bain. Personne n'a ce genre. C'est-à-dire que les gens. Les gens qui ont de l'amour en eux, il faut voir le sourire. Regardez comment elle fait rêver. Elle est belle. Regardez tout le monde. Ça dit, regardez Lolo, comment elle est joviale. Elle fait. C'est ça l'amour. On les donne l'amour. Et on leur dit, pour vos boutons, le couple de boutons là, s'il vous plaît, je conclue, hein, parce que je ne veux pas. Voilà. Le couple de boutons, on ne veut pas que 2025 arrive, que vous êtes RIP. Parce que vous êtes trop proche de ça. S'il vous plaît, faites pour le plaisir, parce qu'on vous aime. On ne veut plus voir les boutons sur vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir pris dans le direct. Bien sûr. Ok. Merci. Merci à Rébiaï d'avoir pris place dans ce direct. Je voulais juste te dire pour une certaine clarté dans ce qu'on fait, j'ai vu des gens écrire, voilà, j'ai donné le bilan de ce piètre personnage sur la toile, et les gens demandent que toi, M. Messan, mon bilan, c'est les BTT, ici. Sur la toile, c'est ça mon bilan. Et je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les BTT. Petit travailleur tranquille, c'est quoi le but? Le but, c'est de rendre les gens heureux. Personne ne gagne. Ça veut dire que nous, on travaille notre argent, on cotise, on décide de rendre les Camerounais heureux. Cette année qui est finie, on a rendu plusieurs Camerounais heureux avec un montant de 6 millions de francs CFA. On n'a demandé à personne. C'est sorti de nos poches où on va travailler tous les matins. Chacun de nous donne et on décide de donner. C'est ça mon bilan sur la toile. Je suis venu pour ça, pour partager, pour amener les gens à partager. C'est ça mon bilan. Mon bilan, c'est les femmes gracieuses du monde qui ont aussi un seul rôle sur la toile, donner, partager. L'année qui est finie, elles ont partagé au Cameroun, je crois, 2 millions et demi ou 3 millions. C'est ça mon bilan. C'est pas de venir insulter les femmes. C'est pas de venir. Non. J'ai un bilan. Quand je fais mon bilan sur la toile, je suis content. Quand tu as un organisme comme le PTT, où tu regroupes tout le Cameroun, parce que le PTT, c'est le Cameroun en miniature. On n'a pas beaucoup de choses à te reprocher dans la vie. Mais comme il y a toujours ces personnes insignifiantes qui voudraient que tout le monde leur ressemble, on ne va pas vous ressembler. À un certain moment, on va vous dire exactement ce qu'il en est. Vous allez refuser, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui donnent la valeur à ce que nous sommes, parce que ceux qui donnent la valeur à ce que nous sommes sur la toile, c'est ceux-là qui nous écoutent. C'est ceux-là qui font une analyse logique de ce que nous sommes. Eh bien, ces mêmes personnes reprendront nos mots et vous diront qui vous êtes. Et ces personnes vous diront que vous n'êtes rien du tout, zéro macabo. Ne serait-ce que sur la toile. Aucun bilan. Rien de positif. Quand ce n'est pas pour expliquer aux gens que l'étoile caribienne m'a fait la cour, c'est pour expliquer aux autres que toi, tu n'es rien. Voyez donc le triste personnage. Un monsieur qui a... Et comme je vous ai dit, hein, que les Beaux-Arts m'excusent, mais tous ceux qui sont passés par le Beaux-Arts, comme vous êtes rentrés de façon frauduleuse en Europe, ce que vous faites est frauduleux. Même vos âges sont frauduleux.
je le prends sur moi. Quand un Bozaïeur te donne son âge, ajoute la TVA dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Quand un Bozaïeur te donne son âge, ajoute la TVA dedans. C'est clair. Parce que quand tu pars du Cameroun, tu fais 15 ans en route, tu as 15 actes de naissance. Chaque année, tu as un nouvel acte de naissance. Jusqu'à ce que tu arrives et qu'on te fasse les papiers. Donc, il n'y a plus rien de vrai ni de véridique sur toi. C'est ça qui est la vérité. Et ces piètres personnages, au lieu de venir se cacher, qui viennent nous montrer leur mauvais visage, on leur dit la vérité. Bonsoir, Rembiaï. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci vraiment pour ce beau direct. Merci, mon grand frère. C'était un très, très beau direct. Et j'en ressors avec beaucoup d'enseignements. Merci. Merci. Donc, j'espère que tout le monde va bien, les enfants. Donc, je te remercie de m'avoir donné la place dans ton panel, dans ton direct ce soir. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont hier assisté lors de mon dernier direct. Je me suis retrouvée dans les réseaux sociaux, indépendamment de ma volonté. Excuse-moi, Rêve. On ne coupe pas tellement la parole à une femme. Je voudrais te demander, c'est quoi l'état d'esprit de ta grande sœur aujourd'hui? Elle va bien? Ben oui. Elle était en direct tout à l'heure. Ok. Chocolat. Donc, je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux. C'était par impulsion familiale. J'ai trouvé que ma grande sœur était harcelée. J'ai vu beaucoup d'injustices et de la haine. Donc, je n'ai pas pensé aux conséquences. Je me suis lancée et je ne regrette pas. Vous avez tous vu ce qui s'est passé en 2023. C'était des combats à n'en point finir. La haine par-ci, par-là. Des guéguerres inutiles. Nous sommes entrés en 2024. Je me rends compte que nous sommes en train de récidiver 2023. Des guéguerres inutiles. Et j'ai pris le temps d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux grandes blogueuses dans la diaspora. Deux grandes blogueuses qui ont mérité leur place. Elles ont subi l'humiliation, l'injustice, le dénigrement, mais elles ont mérité leur place. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe entre ces deux grandes blogueuses? Qu'est-ce qu'elles discutent? Elles n'ont jamais été amies. Elles ne sont pas de la même famille. Elles ne se connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Problème de leadership, ça arrive à tout le monde, mais ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Et puis, je dirais l'Esprit Saint. Mes ancêtres de l'Ouest m'ont visité. Ils m'ont parlé. Et je me suis rendu compte que ces blogueuses sont tout simplement manipulées par certains, permettez-moi le mot, tribalistes de la toile. Il y a ce lugubre personnage que vous connaissez. Ce poacre personnage, les dentées que vous connaissez, et quelques minimes femmes qui manipulent ces deux blogueuses. Parce qu'elles ne vivent qu'aux dépens de ces deux blogueuses. Observons les réseaux sociaux. Ces deux femmes ne se discutent rien, mais elles nourrissent beaucoup d'autres personnes. Et pour être nourries, il faut mettre ces deux femmes en difficulté, en palabres, en désaccord. Il faut diviser pour mieux régner. En tête de liste, l'édenté, le pervers narcissique que tout le monde connaît sur la toile. Je l'ai observé. Lors de son dernier direct, il a demandé à ma sœur pourquoi elle n'est plus en guerre avec Fleur de Lys. Je citerai son nom parce qu'elle aussi, elle cite mon nom dans ses directs. Il a demandé à ma sœur, pourtant le problème actuel ne concerne pas Fleur de Lys et ma sœur. Mais il a demandé à Lolo, pourquoi tu n'es plus en guerre avec Rainker? Parce que quand ils les voient en conflit, et ils se réjouissent, ils profitent, bien ils sûr. Jouissent. Bien sûr. Donc j'ai demandé à ma communauté en particulier de m'aider. Parce que moi, dorénavant, je ne suis plus dans cette guerre. Qui ne m'apporte rien, M. Messin. Tout à fait. Ce sont des suceurs d'énergie. Ouais. Ce
sont des suceurs d'énergie. Ces deux dames ont du potentiel. Elles sont bénies. Elles ont de l'énergie positive. Et elles sont là pour sucer l'énergie de ces dames. En ce qui concerne les ingrats, monsieur Messant, je ne regrette pas, ni ma soeur ne regrettera pas d'avoir fait du mal à ces ingrats. Moi, j'aimerais ressembler à Joseph. Joseph qui avait été tenté par la femme de Potiphar. Joseph pouvait bien coucher avec la femme de Potiphar. Mais il a dit non. Il a dit non. Mon maître m'a aidé. Il m'a donné tout ce que je voulais, mais il m'a interdit de te toucher. Il m'a dit, Joseph, tu peux toucher tout ce que tu veux, mais je t'interdis de toucher ma femme. Je t'interdis de toucher à mon travail. Lolo lui a tout donné, mais elle lui a interdit de toucher à son travail. Ouais. Je préfère ressembler à Joseph. Je refuse d'être ingrate, comme ce que je vois que Lolo a aidé. Joseph a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a tout donné, mais il m'a interdit de te toucher. Ouais. Et rien ne me poussera à le faire. Je refuse d'être ingrat. Et il a été récompensé. On connaît tous comment Joseph a été récompensé. Donc, je ne regrette pas d'avoir aidé ces gens. Ce nom, celui qu'on appelle les dentés, là, le piètre personnage que vous avez cité tout à l'heure. Je ne regrette pas. Mais c'est lui le manipulateur. C'est lui le pervers narcissique. C'est lui qui pousse nos deux sœurs de l'Ouest. Vous acceptez qu'elles sont de l'Ouest à se mettre en spectacle. On a vu qu'elles sont rentrées du Cameroun, ce qui s'est passé. Je ne parle pas ici au nom de Lolo. Je parle au nom de Rêve Mbiaïus. Et j'ai décidé depuis avant-hier de ne plus entrer dans ce combat, monsieur grand frère. Et je te remercie parce que je me rends compte que nous sommes dans la même direction. Ouais. C'est terminé. Ouais. Je lave mes mains. Parce qu'on tourne en rond. En une décennie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Répondant à ma question, qu'est-ce qu'elles ont fait? À part de gaspiller leur énergie positive, à part de gaspiller leur bénédiction, elles sont dispersées. Elles sont discrètes. Et je demande à ma communauté et à tous ceux qui sont du même avis que moi, qui sont assoiffés de justice, de nous aider à combattre ce tribaliste. Parce que c'est un tribaliste. C'est un monsieur qui a pris la machette contre ma communauté. Et je l'observe. Seulement le mot qu'il a dit dans son direct. Pourquoi tu ne clashes plus l'autre? J'ai compris qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne se lève pas tous contre lui. Exactement. Je suis d'avis. Je suis d'avis. Je demande à ma communauté de ne pas tomber dans ce piège. Même si leur patronne des deux groupes respectifs leur demande d'aller en guerre, pensez à vos ancêtres. Dites non. Ouais. Refusez. Dites non. Pour le bien de nos ancêtres, pour le bien de nos ancêtres, dites non. Moi, je n'irai plus en guerre. Ouais. C'est... Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à proposer. C'est un gars qui n'a pas d'idée. Il parle de concept. Il n'a aucun concept. Concept. Tout ce qui touche se transforme en charbon. Il n'a aucun concept. Il n'a rien apporté dans le bloc camerounais. Rien. Il n'a qu'apporté la haine, le désamour, la concurrence. Il n'a rien apporté de bon. Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi. Je suis intrépide. Je n'ai pas peur de toi. Moi, ça, je te combats. Et quand mon grand frère s'est mis avec ma soeur Tatana, elle-même qui n'est pas une fille bamileke, mais qui dit non. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'écart. Parce qu'elle a refusé de participer à ça. C'est pour ça qu'ils t'ont jeté, grand frère, à la vindicte populaire. Bien sûr, je sais. Je sais. Hein, j'ai bien compris. Parce que tu as refusé de participer à ça. Je suis résiliente. C'est difficile de me faire tomber. Et je supplie ma communauté. Ce n'est pas une question de tribalisme.
Mais il s'agit de deux blogueuses de la communauté de l'Ouest qui sont en spectacle. Ouais. Aidez vos sœurs à sortir de là. C'est tout ce que je peux dire, grand frère. Ouais. Aidez vos sœurs à sortir de là. Elles ont combattu. Elles ont fait des combats. Personne n'a gagné. Hein. Qui a gagné? Personne. Les deux sont debout. C'est la famille, et c'est la famille qui a perdu. La famille qui a perdu. Ouais. Le déshonneur. Ouais. Le déshonneur. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre mon collier. Parce que je suis d'abord mon venu. Ça, c'est le collier de ma mère. Ouais. C'est ma mère qui l'a porté. Et je l'ai pris. Parce que je représente d'abord l'Ouest Cameroun. Comme tous ceux qui commentent là, représentent aussi l'Ouest Cameroun. Ouais. Ils vont entrer en faux profil pour essayer de créer la zizanie. Mais ceux qui sont de l'Ouest ne tomberont pas dans le piège. Ouais. Même si mes deux sœurs m'attaquent parce que j'ai pris ce chemin, je ne tomberai pas dans ce piège. Je ne suis plus dans cette guerre qui ne sert à rien. Elles ont prouvé qu'elles sont capables de captiver du monde, de créer des communautés, ce que d'autres n'ont pas pu le faire. Si je demande à ce monsieur, à ce cynique personnage, que c'est quoi ta communauté, il ne pourra pas répondre. Il n'y en a pas. Si je demande à ce poacre individu, c'est quoi ta communauté, il ne pourra pas me répondre. Mais ces deux dames ont réussi à réunir des gens qui les aiment. Exactement. Ils sont tout simplement jaloux. Donc, je te remercie beaucoup, mon grand frère. Je remercie encore l'esprit qui t'a poussé à te dissocier de ces personnes. Ah, grâce à ce problème, je me retrouve aujourd'hui à ton problème, à ta femme qui a été jetée à la vendue populaire. Grâce à ça, je me retrouve aujourd'hui en train de sortir de cette merde. Ouais. À quelque chose, malheur est bon. Malheur est bon. Je te dis merci. Merci. Madame Sam, je ne regrette pas de vous avoir soutenu. Merci. Bonjour merci. À tout le monde. Merci. On a dit que... ouais, Nadège, je t'ai pas, bonjour, je ne t'ai pas encore donné la parole. N'amène pas ton désordre ici. Nous, on est sérieux ici. Là. Je ne t'ai pas encore donné la parole. Merci à tous. Grand frère, j'ai oublié de vous dire, Tatana, excuse-moi. Après mon direct, mes deux derniers directs, ma boîte, mon inbox a explosé. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non. Non, mais parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Grand frère, mon inbox a explosé. Les gens m'appelaient en pleurant. Les gens en ont marre. Bref, les vraies personnes sont en arrière-plan. On ne les voit pas sur Facebook. Et c'est eux qui font les belles analyses. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Tatana, je te laisse la parole. Attends, avant que je ne donne la parole à Tatana, vraiment, je voulais te dire merci. Et une fois de plus, j'apprécie ton intelligence. Et j'espère que ta petite sœur, pardon, ta grande sœur va s'en user vraiment de la plus belle des manières. On est une fierté dans une famille quand on a une tête bien faite. Et en fait, il faudrait que nos familles profitent des têtes comme ça. Comme tu l'as dit, tu es arrivé comme un boomerang sur la toile parce que tu as vu quelques failles dans la conception des choses de ta sœur. Et sans toutefois rentrer dans votre intimité, mais quand je vois des fois tes prises de position, j'ai l'impression qu'elle-même, elle n'est même pas ni au courant, ni même d'accord. J'ai l'impression qu'elle n'est ni d'accord, ni même au courant. Mais quand tu fais ton analyse à toi, tu te dis qu'il est temps que je parle. Et voilà, et tu le fais. Et je veux dire, les personnes de bonne moralité apprécient ce que tu fais. Et moi, je ne peux que te dire, j'aurais voulu avoir une sœur comme toi. Merci. J'aurais voulu avoir, surtout sur cette toile, parce que les gens ont tendance à faire l'amalgame. Et les pervers narcissiques comme ce monsieur au visage des fléchettes, ils utilisent des fois des mots pour amener certaines personnes à croire que telle personne est ceci, telle personne est cela. Le concept que les gens de l'Ouest ont, qui est la solidarité familiale, c'est un concept que j'ai voulu amener sur Facebook. Oui. Et ce concept-là, je l'ai appris de qui ? Je l'ai appris
de celui même qui est notre king, on l'appelle le king chez nous, qui est notre king Ngom Ngom, celui qui a réuni les Bassa ici, en Europe, qui est parti de 10 Bassa à 4000 Bassa aujourd'hui. Le concept de réunir sa famille, ça ne fait pas de toi un tribaliste, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aime pas les autres. Tu voudrais juste savoir que, parce que moi, on m'a appris que la force intrinsèque vient de sa famille. Quand tu es encadré de ta famille et que tu es attaqué, c'est les premières personnes à se lever et ça te donne la force. Et c'est ce que j'ai pensé. Mais les pervers narcissiques et des cerveaux percés qui n'ont pas compris cette chose ont cru que moi, ils vont me présenter comme quelqu'un qui n'aime pas les autres. Et ces autres-là, malheureusement, c'est là où le bât blesse et la compréhension est difficile et même très compliquée. Parce que les personnes que ces personnes disent que je déteste, c'est ces personnes qui me portent comme un bébé. C'est ces personnes qui me propulsent. C'est ces personnes qui me font rentrer dans des endroits les plus stratégiques et les plus compliqués du pouvoir. Merci et malheureusement, et heureusement, c'est ces personnes qui récemment encore sont sorties sans que je ne leur demande quoi que ce soit, à prendre ma cause et à parler. Et ça fait que l'analyse de ces piètres personnes-là qui ne savent parler ni le français ni le bassa, dont la tête est vide, ils sont perdus, ils ne comprennent rien. Après, ils utilisent juste les petits mots qu'on appelle manipulation, machin. Mais tu ne peux pas faire la manipulation à 1 million de personnes. Tu ne peux pas faire la manipulation à une masse. Tu ne peux pas faire la manipulation à des gens qui se lèvent sans que tu ne leur demandes quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire la manipulation et tenir un concept de PTT où tu as le Cameroun en miniature, où tout le monde est content. Jamais n'a jamais rien réclamé. Tu ne peux pas être manipulateur et avoir un concept comme les femmes gracieuses, où tout le monde est content, où on donne la joie aux gens. C'est là où ces personnes sont confrontées à leurs propres mensonges. Et nous, vous pouvez compter sur moi, ces personnes savent que la force de frappe, je l'ai. Quand je parle, ils sont derrière. C'est moi qui donne le ton. Et comme j'ai donné le ton ce soir, je connais la suite. Mais on va vous enterrer vivant, bande d'abrutis. Maintenant, Nadine Baba, je te donne la parole. En tout cas, merci de ton passage. Attends d'abord, Rêve. Bonsoir. Bon, PDG. Oui. En tout cas, moi, je suis monté pour dire bravo pour ton direct. Les mots me manquent. Vous savez que où vous êtes parti là, mon domaine, c'est la paix. Mais là-bas où vous êtes parti, là-bas, là, ce n'est pas mon niveau. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que merci pour tout, parce que honnêtement, on ne rit pas. Ce n'est pas mon niveau. À vrai dire, avec, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau est seulement pour apprécier le direct. Mon niveau, c'est les insultes. Dire la vérité, mais en insultant. Et ce direct, ce n'est pas comme ça. Parce que je croyais que j'allais entrer et dire que le syphilisé est syphilisé, mais tu l'as bien syphilisé aujourd'hui. C'est encore bien comme ça. Parce qu'il fallait un grand frère comme toi. Il fallait ce genre de problème pour qu'on sache. Rêve est fier de toi. Je pense que le direct que tu as fait, même Lolo, qui était en Casablanca, va dire que on a trouvé un grand frère sur Facebook qui est Monsieur Messan. Je ne regrette pas moi aussi d'avoir fait bon choix. Un bon choix après autant d'erreurs. Tu es quelqu'un de bien, une personne bénie. Que Dieu te protège honnêtement. Ma rêve, ma petite soeur de Marc, ça ne chauffe pas. Tu es une soeur. J'ai même mal, j'ai de la peine à parler, j'ai beaucoup de difficultés à parler parce que vous avez tout dit. Mais je veux demander un truc. Monsieur le PDG, nous sommes de la team de la vérité. Moi, je n'ai pas aimé la descente de du Camer. Je n'apporte pas les intrigues. J'ai pas aimé la descente de Ducamer quand Ducamer a vu Rêve. Non. Il faut bien. Non, c'est moi qui l'ai descendu, non? Ah, d'accord. Non. Attends, Ducamer ne peut pas descendre. Maintenant, attends, on a rendez-vous. J'en profite d'ailleurs pour dire que
La team de vérité a rendez-vous le week-end prochain. Attends, c'est le groupe de Bicamère, hein? Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Tiens mal. Mon PDG, il y a Kamtoa qui est comme c'est lui qui a apporté les histoires du quartier. Il m'appelle comme mon pion, c'est mon nom. Vous voyez comment il suit. Donc, il a la photo d'un escargot, là, d'une chèvre qui fait merde. Il ne faut pas qu'il vienne gâter le direct. Kamtoa, là, c'est le bon. C'est lui qui a apporté le Congo, ça. C'est lui qui est derrière le faux profil, là. Il se cache derrière le faux profil. Kamtoa, si c'est toi le bon, hein, sache que ma famille va te prendre. Le ma vraie, faux profil, ma vraie dans famille. Est dans ce direct. Oui. Si c'est Kanchanchu, il m'appelle maman. Même quand on est en train de dire. Mettez une tête de mort dessus. Patricia de Toulouse, ton invitation a été refusée. Ressors du direct et tu renvoies, s'il te plaît. Même quand on est en train d'édifier les gens comme vous, les petits malhonnêtes comme ça, là, vous apportez toujours le venin. J'ai dit que ça, ce n'est pas mon mur. Ici, on me dit de me comporter. Venez sur mon mur m'insulter. Vous lavez propre. Je ne donne pas le lait. Donc, je suis venu ici apprécier mon grand frère et ma petite sœur. Le reste ne me concerne pas. Et dit que du camé, comme mon grand frère a dit que non, ce n'est pas ça. Je remercie seulement l'Éternel de m'avoir mis sur le chemin de ce monsieur. Faites encore l'erreur, je n'ai pas de mari, c'est mon grand frère. Vous m'insultez, mon grand frère, vous insultez. Patricia de Toulouse, ton invitation est encore refusée. Peut-être change de ton. Ma petite soeur, vous insultez propre avec le bon français. Je suis pas là. Je les ai envoyés. J'ai payé, j'ai participé pour qu'on les envoie à l'école, pour moi. Donc, c'est eux, ma retraite. Continuez à m'insulter, on va vous laver ici. Syphilis. Tu as pris ta dose ce soir, tu as vu, non? Voilà ce qu'on appelle homme. Tu as vu? Je me vante jusqu'à... Je vais vous retransmettre le direct de mon grand C. Rien que pour toi, c'est Félix. Ça sera ta bastonnade pendant une semaine. Donc, grand, merci beaucoup, PDG. Non, on est ensemble. Un jour, PDG. On dit que un jour, PDG et PDG non, pour non. toujours. Un jour, petite soeur. On dit PDG, un jour, PDG toujours. J'ai dit que ce n'est pas mon niveau là-bas, je peux me tromper, je tremble parce que les émotions. Donc, laissez, je m'en vais sur mon mur après. Merci beaucoup pour ce direct. J'espère que les deux dames là vont comprendre parce qu'il y a une, quand tu parles, après vient faire waouh, waouh, mais je pense que cette fois-ci elle va comprendre parce que ça sort de la bouche d'un homme, d'un, appelons ça doyen, d'un doyen de la toile, même comme il y a d'autres qui sont vieux ici. Et ils se disent que tu es leur papa. Tu n'es pas leur papa. C'est la grâce. Mais tu as la c'est la sagesse grâce. Non, non, moi village. je prends. Moi, je prends. Voilà, tu as la sagesse du village. Parce que les guet-apens qu'on a mis sur la route de cette fille, j'espère qu'elle s'en sortira. Mais qu'elle n'ait pas peur ou honte de suivre le droit chemin et d'être en paix avec elle-même. Le chantage ne paye pas. Quand on te fait chanter, on te dit que faites ce que vous voulez. Ce qui arrive va arriver. Moi, je vais, donc, c'est un très beau. Moi, je vais, prendre cette. Moi, je vais casser ces barrières. Et je sais comment. On est sur la toile. Je prends l'initiative. Ces guet-apens et tout ça, je vais les fracasser ici. Et chacun aura la liberté et chacun va souffler un coup. On ne merci, peut pas. Si mon grand, on ne peut pas vivre comme ça. Il est très limpide. Il est très clair comme l'eau de rouge. Merci, merci pour la démarche. Merci, ma petite sœur. Merci à Madame Nussan, parce que sans elle, tu n'es rien. Tout à fait. Non, tu as complètement raison. Sans elle, surtout que la forme, voilà. La forme que tu as vue là, parce que j'ai été très bien servi tout à l'heure. Je suis très en forme là où je suis. Comment? Et je sais qu'elle a fait parce qu'elle attend son coup de ce soir. Elle sait que le week-end, elle en a deux. On a eu un ce matin et le deuxième, ce sera tout à l'heure. Propre, parce que tu es quelqu'un de bien. Je ne regrette pas. Bon, grand. Oui. Bon, bien, je suis dans le direct. J'ai dit que ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est envoyer les cœurs. OK, avoir les cœurs, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup, mon grand frère. Vraiment, je te remercie pour ton amour, pour ta franchise. Voilà. Parce que ce qui est là. C'est Patricia de Toulouse. Ah, ok, je la laisse parler. Non, vas-y, ma chérie. Donc, merci, grand frère, pour ta franchise. Je n'ai pas demandé à nos deux sœurs d'être des meilleures amies. Tout à fait. Qu'elles se respectent. Ah.
se respecte et qu'elle nous offre du beau spectacle. Tout à fait. Grand frère, on a vu une certaine mère d'Aloi, comme on l'appelle, tu te retrouves dans une team, tu tournes, tu es dans une autre, tu retournes, tu es dans une autre, tu reviens, les mêmes combats, grand frère. Personne n'a peur de personne sur la toile. Mais tout ça tourne autour de deux personnes. Parce que toutes les autres n'ont rien proposé. Elles n'ont rien proposé de concret. Elles n'ont... Parce que pour être une star, il faut avoir une team. Il faudrait qu'il y ait des gens, qu'il y ait des gens qui te portent. Ouais. Il y a des gens qui te soulèvent quand tu tombes. Mais elles ont montré qu'elles n'ont pas de team. C'est pour ça qu'elles nous racontent que je n'ai pas besoin de team. Parce qu'elles n'ont pas eu la capacité de réunir du monde. Ouais. Et maintenant, pour chercher des échappatoires, elles nous disent que je n'ai pas besoin de team. Non, ce n'est pas facile d'avoir une team. Donc, ces deux dames, nous, on n'a pas besoin de votre amitié. Mais vous avez essayé toutes sortes de combats. Personne n'est tombé. Peut-être celui qui tombera, cette fois-ci, ira dans la tombe. Peut-être. Qui sait? C'est. Donc, il est temps pour nous, mes soeurs de l'Ouest, mes frères de l'Ouest et tous les Camerounais qui sont fatigués de ce spectacle, de se mettre avec nous et de nous accompagner dans le processus de... On dégage la voie de paix. Je n'ai pas dit de paix ou de respect, je ne sais pas moi. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on t'a très bien compris. On t'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup. Comme je dis, je vais me répéter sans cesse. Tu peux ajouter d'autres choses si tu veux. Ta sœur a beaucoup de chance de t'avoir à ses côtés. Oui, Patricia de Toulouse, mon amie personnelle, très très personnelle. Oui. Ah, comment j'ai oublié. Je croyais que tu avais oublié le très très. Non. je ne peux pas l'oublier. C'est très important. Bon, toi-même, tu sais ce que je sais. Donc, vas-y. Voilà. Patricia, excuse-moi. Voilà donc le tribaliste messan qui n'a que les gens de l'Ouest. Ça, c'est une amitié de plus de 15 ans, 20 ans. C'est pas une bassa. C'est-à-dire, je vais vous amener à rectifier vous-même vos paroles dans vos bouches. Quand vous parlez, moi, je vous pose les actes. Vous parlez, je pose les actes. Excuse-moi, Patricia, on ne coupe pas la parole à une femme. Vous pouvez vous permettre, monsieur messan. Ah, ben voilà. Avec plaisir. Vas-y. Hein. Moi, j'ai fini. Pour l'instant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rêve. Bonsoir, Nadèche. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire ce soir. Tout ce que je peux dire, vous avez fait un très beau direct. Et vraiment, la démarche, elle est vraiment noble. Et voilà. Donc, il faut rester solidaire comme ça. C'est très important. Vous avez très bien compris ce que moi, j'ai vu il y a quelques mois. Donc, je m'en fais part. Bref, je te rappelle dans ton dernier direct. Donc, si vous avez compris, c'est une bonne chose. Parce qu'il faudrait vraiment que ces deux sœurs-là se font la paix. La paix. Et une paix sincère. Il faut vraiment qu'ils font vraiment la paix. Ça, c'est notre démarche en ce moment. Et j'espère que ça va bien se passer. Et le deuxième point, c'est que M. Messan, ça fait un beaucoup de moments qu'il ne répond plus, qu'il ne réagit plus sur la toile. Parce qu'on s'est plaignait que oui, il parle à tout le monde, il répond à tout le monde. Et que nous, ses amis qui nous sommes autour de lui, qu'est-ce que nous disons? Ça fait des... Nous, on le retient, on le parle. Ne croyez pas que nous ne le parlons pas. Il a bien compris, il nous a même écouté, parce que ça faisait un moment qu'il avait disparu sur la toile. Mais on a cru que c'était par peur. Dans un moment donné, ce soir, on est des êtres humains et on a chacun un cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vous a prouvé qu'à tout moment, il peut revenir. Vous avez vu. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que le message est bien passé. Si on s'est déjà attaqué, si on s'est déjà pris au grand frère, ça veut dire que même la petite sœur va passer. J'espère que vous avez compris. J'espère que le message se soit bien passé. J'en ai terminé. Monsieur Messan, oui. Vous passez une très douce nuit avec votre épouse. Merci beaucoup. Et on se dit à demain au téléphone. Il n'y a pas de souci. Merci bonne soirée beaucoup. À merci. Vous. Merci de ton passage ici. Merci. Je crois que, en tout cas, vous pouvez rester là, on peut conclure ensemble. Bon, elle est déjà partie, Rêve est encore là. Moi, je pense que, comme je le dis très souvent, on a tous sur ce qu'on appelle Meta,
chacun a sa place. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent avoir plus de place que des autres. C'est juste de la bêtise, quoi, parce que sur la toile, je veux dire, nous qui utilisons cette toile, on ne maîtrise rien du tout. Il y a une seule personne, quand il appuie sur le bouton, il dit que c'est fini, c'est fini. Mais il y a des personnes malencontreusement bêtes dans la tête qui des fois viennent te dire que non, toi, c'est pas ta place, on va faire ci, on va dire ça, on va... Ben, c'est bête, quoi, parce que on a encore vu il y a quelques jours, il y avait une panne chez Zuckerberg où pendant 3-4 heures, les gens ont compris que personne n'était maître de ce que nous sommes en train de faire. On dépend tous de quelqu'un. Et même quand on fait ce genre de direct où on utilise des mots forts parce qu'on veut faire passer un message, c'est justement parce qu'on a constaté que comme c'est un endroit qui est sans foi ni loi, et bien chacun prend sa caméra, dit n'importe quoi. Et cette personne ont toujours des gens là à écouter des conneries et quelquefois même à faire des analyses sur ce genre de conneries. Ouais. Donc quand on parle, c'est juste pour dire que ces personnes peuvent parler parce que tout le monde a droit à la parole, mais leur parole ne signifie rien. Parce que le background, c'est rien. Par exemple, ce monsieur au visage de fléchette, si on dit maintenant, avant l'arrivée de Facebook, cette personne représentait quoi? Elle représentait rien du tout. Ça veut dire que quand Facebook va partir, ça va partir avec lui. Oui. Donc, ce n'est pas des personnes de référence. Ce n'est pas des personnes qui ont un message à passer. Ce n'est pas des personnes sur lesquelles on peut compter. Je vous ai énuméré tous ces combats, entre parenthèses, qu'il appelle combats, pour ne pas dire des échecs à répétition. Il n'y a jamais aucune réussite sur ce qu'on appelle même, c'est-à-dire on est là dans le virtuel. Si même dans le virtuel, tu ne peux pas amener des gens à une réussite, à une fin, ça veut dire que dans la vie réelle, et quand on va dans la vie réelle, les événements qui font d'un homme sa fierté, il n'arrive pas à les assumer. Donc, il représente quoi? Il représente que de la cacophonie, que du bruit, que du comme Jacques Chirac disait, du flash, c'est-à-dire flash, c'est, ça ne représente rien. Ça crie et puis voilà. Voilà. Donc, à un moment donné, comme je le dis et je le répète encore ce soir, moi sur Facebook, j'ai décidé de la fermer parce que les gens que je respecte m'ont demandé de la fermer. C'est clair. Ils m'ont dit, c'est pas ton niveau, ça ne sert à rien. Mais comme tu es un être humain, de temps en temps, tu peux sortir. Et je vous ai dit encore il n'y a pas longtemps que je ne réponds pas à tout le monde. Il y a des gens que j'écoute tristement et ça rentre là, ça sort là. Je ne peux pas répondre parce que déjà, pour que tu répondes à quelqu'un, il faudrait que cette personne t'apporte le contraire de ce que tu es. C'est pour ça que je suis tellement admirative de Stam, me sent qui n'a pas besoin. Non, tu n'as pas besoin de te justifier. De marier. Non, on ne se justifie pas elle face au mensonge. Non, on ne se justifie pas. Quand tu sais ce que tu es et que des personnes qui ne sont pas ce que tu es viennent te prêter des adjectifs et des qualificatifs et tout ça, mais tu ris tout simplement. Et parce que de se justifier, c'est cacher une frustration. Voilà, tu as tout dit, voilà. Donc, on s'en fout éperdument. Donc, moi, quand je viens sur la toile et que je parle fort, quand je ferme mon téléphone, là, mais je dors en paix, je n'ai rien à foutre des retombées, bon. Si ça va plaire, ça va pas plaire, ça va... Non, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être en conformité avec ceux qui m'entourent. Vous qui êtes là, de l'autre côté, si vous épousez mon raisonnement, tant mieux. Mais si vous ne l'épousez pas, mais je m'en fiche éperdument. C'est clair. Ça ne me change pas la vie. Moi, c'est mon entourage qui m'intéresse. Si on est en conformité, s'ils sont d'accord, si je les ai heurtés, ben voilà, mais pour le reste. Et si on décide de ne pas parler, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses à dire, mais parce que des fois, on juge que, comme je le dis tout le temps, hein, quelqu'un que tu as donné à manger, tu ne peux pas lui répondre. Merci, grand frère. J'ai entendu l'histoire de mon grand frère. Non, tu ne peux pas lui répondre. Quelqu'un que tu as ouvert ta maison, tu ne peux pas répondre. Quelqu'un que tu as apporté de la main pour aider, tu ne peux pas répondre. Quelqu'un qui t'a appelé papa, tu ne peux pas répondre. Grand frère, c'est ton collègue blanc que je veux, le blanc. Il y a des choses dans la vie qu'on écoute tout simplement. Et puis, s'il y a des tristes personnes qui font des analyses dessus,
S'il y a des tristes personnes qui font des analyses de Dieu, vraiment, c'est triste pour elles. Parce que quand on est réfléchi, on sait très bien que si tu as fait un an d'amitié avec quelqu'un, je dis bien, quand on a encore quelque chose dans la tête et non la boue, si tu as fait un an d'amitié avec quelqu'un, si cette personne pense qu'elle a des choses sur toi, elle doit savoir que tu as des choses sur elle. Parce que vous êtes tous les deux en amitié. J'ai dit que c'est le blanc là. Donc vous êtes en amitié. Donc c'est une analyse tellement logique que c'est pour ça qu'on dit les trucs privés que vous avez eus après la rupture d'une relation, on n'a pas besoin d'en parler parce que tout le monde peut se justifier. Tout le monde peut sortir des choses. Tout le monde peut dire des choses. Mais comme on est en face des menteurs, et des gens tout le monde peut demander 50 euros, c'est pas mauvais aussi. Ben voilà, comme par exemple. Donc, comme on est en face des menteurs et des manipulateurs, on rit tout simplement parce qu'on sait ce qu'on est. Hein? Et quand j'ai vu ce monsieur au visage de fléchette me traiter de quelqu'un qui répond aux femmes, pour finir ce direct, je voudrais quand même te dire que les femmes que j'ai répondues sur cette toile, socialement parlant, elles sont très élevées par rapport à toi. Pour te dire que je ne réponds même pas à n'importe qui. J'ai répondu à 3 femmes. Et socialement parlant, ces femmes ont une élévation que toi, tu n'en as pas. Donc si je leur ai même parlé, je vais dire même elles, dans leur posture féminine, elles sont plus grandes que toi. C'est pour ça que toi, j'avais dit une fois ici, ça fait un moment, peut-être qu'on a oublié, je me répète aujourd'hui, toi, ta réponse, quand je vais décider de te répondre, ce sera au Cameroun. Je t'attends. Je n'ai rien à te dire sur la toile, parce que même virtuellement, toi et moi, il n'y a pas le niveau. Quoi. Pas du tout. Il n'y a pas le niveau, c'est-à-dire, ça ne sert à rien. Mais là-bas, chez nous, on va se retrouver au pays. À part le jeu que tu fais là, prends ta morphologie mongole, amène-la au Cameroun. Je vais te refaire le portrait. C'est là-bas que moi, je vais te répondre. Ouais, Seigneur. C'est là-bas. Je vais te redresser. Tu vas ressembler à un être humain. Tu ne seras plus mongole, nonchalant comme ça. Je vais te redresser. Moi, c'est là-bas que je vais te répondre. Le jeu ici sur la toile, c'est Hiro Makabo. Merci, la famille. Je vois plein de monde de faire la pub là. J'ai plus besoin de faire la pub. C'est vrai qu'on a toujours besoin de la pub, mais je vais dire cet après-midi, la star méchante vous a dit. Elle vous a dit tout ce qu'il y avait. Vous savez, si vous voulez appeler, les numéros sont là. Regardez le gars, il est devant vous. Est-ce que je dois encore vous expliquer que j'utilise les produits de la Star Beauty? Est-ce que... Attendez, cela va sans dire. Les épices Star Beauty. Ah oui. Les épices. Ça c'est le summum de la cuisine, quoi. Donc, c'est très, très bon. Vous savez ce qu'il y a à faire. La Star Beauty n'arrête pas de grandir. On a atterri déjà sur les perruques. On a atterri sur les épices de cuisine. Et pour très, très bientôt, je veux dire dans quelques jours ou quelques mois, nous allons atterrir sur le vêtement prêt à porter hommes et femmes. Donc, vous voyez que l'élévation est là. J'ai dit que c'est moto dico. On ne peut plus nous arrêter. Merci. Maintenant, maintenant. Merci à tous. Tout à fait. Maintenant, pour vous qui. Vous êtes là pour faire le service après-vente. Vous savez que je parle une fois la semaine. Et après, je vous donne la passe, comme on dit au pays, de blablater. Vous comprenez? Qui veut participer, grand frère? Hortense. Il y a qui? Hortense. Il y a Hortense? Oui. Attends, je vais Hortense, voir. Pouma. Hortense, ben, elle a enlevé l'invitation. Hortense Pouma. Il y a. J'ai décidé aussi dans les directs de ne pas prendre les gens que je ne connais pas. Mais Hortense Pouma, je ne sais pas. Ouais, attends, je crois qu'elle a renvoyé encore là. Là, c'est en train de mouliner. C'est en train de mouliner. Tu sais, dans les directs aujourd'hui, quand je ne connais pas, je ne prends plus. Parce que, voilà, les gens viennent déranger dans ton direct. Les gens qui ne savent pas
Bonsoir. Allô, allô? Oui. Allô, tonton. Bonsoir, Hortense. Ben, je ne t'avais pas vu. Hein. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va super bien. Oh, j'ai pas vu. Demande, mais rêve, tu es tellement intelligente et tu as l'œil du félin, ça. C'est-à-dire, mais tu as l'œil de l'est que tu vois. Mais j'ai pas vu, moi, qui suis de. Justement, parce que j'ai envoyé un message. Ah, ok, ok, ok. Oh là là, elle est repartie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un problème de connexion, j'ai vu. Elle a un problème. Ah. Rêve, j'ai un grand frère de débloquer mon compte, s'il te plaît. C'est quoi ton compte? Ah, j'espère que. J'espère qu'elle va renvoyer la demande. Ouais. C'est qui ça? C'est Régine Tamo. Je vois Régine Tamo écrire de. Tu avais fait quoi avant qu'on te bloque? Régine Tamo, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai repris Hortense là, c'est en train de mouliner. Voilà, Hortense est là. Bonsoir Hortense. Bonsoir tonton. Tu as un problème de connexion? Non, 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 je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis tellement émue de ton direct, de ton live, que j'ai tenu à appeler pour ta présence. Ouais. Elle a un problème de connexion. Elle a un problème de connexion. Elle a un problème. Aïe, 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 aïe. Je vais te laisser. Et Ok, Rêve, je sais que tu as l'appétit à t'occuper. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on reste, on est en contact, hein. On va, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et puis, tout à fait, ah ben, merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que la team de vérité se retrouve le 30 novembre à Paris, comme d'habitude. On va faire ce qu'on sait faire le mieux. Ça veut dire que des retrouvailles familiales, partager quelque chose ensemble, parler de notre mouvement, essayer de construire quelque chose, de poser des jalons, parce que nous avons décidé de façon, c'est-à-dire perspicace, de combattre l'axe du mal. Donc, on doit poser des stratégies et tout. Donc, sans concurrence. Non, sans concurrence, sans haine, sans rien du tout. Juste se débarrasser de la mauvaise herbe. C'est tout. Donc, on est ensemble le samedi 30. Merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci à mes frères de la communauté de l'Ouest. Merci à mes frères Johan, camerounais. Merci à Johan Boucher, le 30 mars. Les bicoques, merci. Ah ben oui, obligé. Merci pour les bicoques. Ciao, bonne nuit, bisous aux enfants. Voilà. Donc voilà, je sais pas, je crois, j'espère, je sais pas, Hortense essaye de renvoyer l'invitation, mais ça passe pas. Bon, vous savez, hein, c'est samedi, je vais pas vous retenir très très longtemps. Merci Régine Tamo, on va le faire, il y a pas de souci. La régie, comment on appelle? La régie va s'en charger de faire ça, il y a pas de souci, on va te débloquer et puis il y a pas de souci. On est une famille, on a dû, tout un chacun fait les erreurs dans la vie. Hein, donc, quand on reconnaît ses erreurs et puis qu'on fasse une marche arrière, je voulais dire, et que voilà, qu'on essaye de se positionner dorénavant sur de bonnes bases, il est hors de question qu'on n'accepte pas. Dieu a accepté nos pardons, Dieu a toujours accepté nos doléances. Pourquoi pas? Il y avait mon Cho National qui était dans ce direct que je viens juste de voir là maintenant. Ses salutations. Bonsoir à ma petite sœur depuis l'Angleterre, Hervé Connelly. Et puis, je voudrais vous dire que vous avez vu tout à l'heure dans ce direct, il y avait l'église de... Le nom m'échappe encore là, le nom est parti. Mais c'est une église qui joue dans le cadre de un peu de PTT, qui est là pour récolter des fonds et puis pour aider toutes ces personnes qui n'en ont pas. Black Beauty, merci encore pour ton direct d'hier. Ça a fait beaucoup d'effet parce que on m'a appelé ce matin. On m'a dit que je suis passé dans un direct d'une certaine Black Beauty. Tu vois, c'est ça aussi la famille. On fait pousser, on fait progresser les plus jeunes qui viennent vers nous, qui demandent à être poussés vers l'avant. Donc, on le fait avec beaucoup de fierté et beaucoup d'amour. Donc, voilà, ce matin, on m'a parlé de ce direct d'hier qui a intéressé pas mal de gens. Et je fais un big up comme ça au pasteur supérieur qui
Je crois que je l'ai vu vite fait là tout à l'heure. On est ensemble. Moi, quand on est avec moi, je suis avec toi. Donc, ça ne souffle d'aucune contestation. On est ensemble. Mémé Kotia qui était là, je crois qu'elle est encore au boulot parce que je sais qu'elle ferme très tard son magasin quelquefois. Et puis, sans oublier la garde très, 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 très rapprochée du couple Messant. Pavlik Patricia qui était là, vous l'avez vu, hein, la femme aux cheveux d'or, celle qui détecte le mal à distance, mais qui parle des fois à son petit frère que je suis, mais qui n'écoute pas aussi tout le temps. Donc, elle était là dans ce direct. Il y a de la famille de l'autre côté de l'Espagne, comme Suzanne Dongo, avec beaucoup de cœur, qui est toujours là, malgré les mouvements, elle est là. Voilà, la Sylvie Ténière qui a fait un grand retour, elle est là. Bonsoir à toi, Sylvie Ténière. Et puis, la Veuve Joyeuse, ben, merci beaucoup, Patrick, d'écrire la Veuve Joyeuse. J'en profite pour envoyer mes condoléances encore une fois de plus à René Star de Lille, qui fait sa veillée aujourd'hui du côté de Lille, la veillée dans laquelle se retrouve d'ailleurs la Veuve Joyeuse, parce qu'elle m'a appelé ce matin quand elle partait. Exactement, exactement, Mémé Kouatia, je sais que j'ai imaginé que tu étais encore dans ton magasin. C'est pour ça que tu t'es un peu éclipsé. Donc voilà, je souhaite encore mes condoléances à René Star de Lille, qui fait la veillée de son papa aujourd'hui. Laquelle veillée assiste d'ailleurs la Veuve Joyeuse que j'ai eue ce matin, qui m'a appelé quand elle était dans son TGV en direction de Lille. Et j'ai d'ailleurs essayé d'appeler pour le lui dire de vive voix René Star de Lille, que je n'ai pas pu avoir au téléphone. J'imagine qu'elle est un peu occupée à recevoir tout ce monde. Donc, la famille, merci d'avoir été là. On est ensemble. Ne vous en faites pas. Quels que soient les tumultes, quels que soient les mouvements de l'océan, quand le poisson a sommeil, il s'endort dans un sommeil très, très profond. Et c'est le cas de Jean Lumesson. Ne vous en faites pas pour moi. Comme disent nos frères ivoiriens, devant, il y a feuille, il n'y a rien du tout. Ne vous en faites pas. Quelquefois, mon calme, c'est juste par rapport aux personnes que j'aime, aux personnes... Merci Véronique, Max. Et puis, ma petite fille qui était dans ce direct, Monica Diaz, que j'allais oublier de faire un big up, parce que ça, c'est la famille est sacrée, on ne rigole pas avec la famille. Il faut toujours mettre la famille à sa place, où elle doit être, parce que c'est très important. Si demain, on a des soucis, il n'y a que la famille qui viendra. Mais la vraie famille, hein, pas la famille, de facettes, de méta. Renéta Duchesse, merci à toi, on est ensemble. Marie-Paul, justement, Dorcas aussi, qui n'a pas pu être là, merci de me le rappeler. Elle n'a pas pu être là ce soir, sûrement elle est en train de... Elle est au village entre ses macabos et ses plantains, ce qui est bien d'ailleurs. Donc voilà, ça fait partie aussi de la famille très proche, la famille avec laquelle on échange très très souvent ces derniers temps et on essaye de se comprendre. Je le dis très souvent, les êtres humains, nous sommes divers et ondoyants. On vient de divers villages, états et tout. La compréhension n'est pas toujours facile, mais le plus important, c'est essayer de jouer dans les concessions parce que même dans une relation amoureuse, sans concession, on ne va nulle part. Et je voudrais vous dire encore que ce soir, oui, il y a Nana la doseuse qui est là. Oui, la doseuse, j'aime bien. Charlotte, Charlotte, bonsoir à toi. J'aime beaucoup la façon de... Le parler de la doseuse, elle parle très bien. Elle parle très, très bien. Elle a un timbre vocal qui est assez imposant. Et puis, peut-être c'est pour ça qu'elle s'appelle la doseuse, parce que quand elle parle, elle dose vraiment. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Merci Joël Bavra. Et je voulais vous dire que si j'avais cette force ce soir, si j'étais aussi tenace que d'habitude, vous savez très bien que c'est le traitement de la star naissante. Celle-là qui raye les mentions inutiles et celle-là qui ne fait pas attention aux petites choses. Elle est là pour ce qu'elle sait faire le mieux. Ça veut dire qu'elle vous parle de la star beauty quand elle ouvre son téléphone. Elle ne fait que ça. Ce n'est pas comme les autres, vous voyez. Quand elle ouvre son téléphone, c'est pour vous parler de la star beauty. Et en principe, c'est comme ça que nous, on devait fonctionner. Mais comme on est dans un monde sans foi ni loi, eh bien, des gens s'aventurent des fois à faire des choses qui les retombent brutalement dessus. Et après, elles vous disent que voilà, on n'avait pas fait ceci, et voilà ce que les autres font. Vous savez que la...
la manière la plus facile de se défendre, c'est d'accuser la personne qu'on a attaquée. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà la famille. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Sortez couverts. Aimez-vous les uns les autres. Surtout, aimez-vous les uns sur les autres. C'est très important. Et vous, les femmes, surtout les hommes, aimez vos femmes. Et les femmes, encadrez vos hommes. Elles ont besoin de ça. Et pour le reste, prenez tout ça, mettez ça entre les mains de Dieu et que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Une fois de plus, on n'aura jamais la paix sur la toile, mais on voudrait juste que les gens se respectent les uns les autres. Ce soir, le direct concernait spécialement ces deux personnes, ces deux blogueuses, et toute leur famille de l'Ouest, que j'apprécie la solidarité. J'aurais voulu avoir une famille comme ça, mais malheureusement, on est toujours mieux apprécié ailleurs que chez soi, et je le prends, et je répète encore les mots de ce roi qui m'a accueilli à l'Ouest. La famille, c'est pas seulement ces personnes qui sont du même ventre que toi. La famille, c'est là où on t'ouvre la porte, on te donne une chaise, on prend soin de toi, on sait que tu as faim, on sait que tu as soif, on sait que tu es malade, c'est ça la famille. Et c'est pour ça quand je suis rentré en fin d'année, quand j'ai décidé de parler, je vous ai dit que désormais, ma famille, c'est la personne-là qui m'ouvre sa porte, qui m'ouvre ses bras, avec laquelle je peux échanger, celle qui me comprend. C'est ça, ma famille. J'allais oublier de faire un gros bisou à ma deuxième chérie, Flore Chaps, qui est en ce moment à Paris, qui est toujours à Paris d'ailleurs, et qui est dans ce direct. J'allais oublier de lui faire un gros coucou. Bisous là-bas, toi-même tu sais ce que je sais. Bon week-end, on est ensemble. One peace, one love. Bye-bye. Et le service après-vente, allez, faites le boulot. Je vais apprécier le week-end prochain. C'était Monsieur Propre, Jean-Louis Messang. Voilà. Charlotte, Charlotte, amen, Tani. Merci pour la bénédiction. Oh, la doseuse, bonne soirée à toi aussi. Merci, j'ai de la peine à vous laisser, mais je dois partir. Bye bye, ciao, ciao, merci.